Salut tout le monde, c'est Cheryl. On se retrouve donc euh, pour la présentation en gameplay euh, du pack euh, qui va sortir très bientôt, euh, demain je crois. 26 février qui va sortir demain. On va se retrouver avec un gameplay non pas fait par moi-même parce que je ne suis pas rémunéré par les Sims 4 ou par Electronic Arts. Je n'ai pas eu la clé en avance, simplement j'ai fait des recherches pour vous. Et euh, sur le site euh, d'Electronic Arts de Sims Community, on va pouvoir voir ensemble du gameplay. D'accord euh, Où on va pouvoir découvrir les terrains, euh, les maisons, euh, l'intérieur de maisons avec euh, les nouveautés euh, que l'on aura dans le pack. Et honnêtement, je pense que certains d'entre vous vont être énormément... Salut Shippy Bienvenue à toi. Ils vont être énormément déçus euh, par ce pack. Euh, alors c'est déjà le cas aux États-Unis. Hein, je ne vous lirai pas les commentaires hein, qui sont marqués plus bas. Euh, alors bien sûr, je, peux vous, je pourrais vous laisser passer la bande-annonce, mais c'est en américain. Donc si vous voulez, il n'y a pas de problème si vous comprenez l'anglais. Maintenant, j'ai passé une heure à vous le traduire. Donc euh, voilà. On va attendre un petit peu euh, si les gens arrivent. Donc c'est un gameplay qui est fait donc je vous l'ai dit euh, par Game Changer qui fait partie de l'équipe d'Electronic Arts et qui euh, est américain voilà donc il y a eu le, la clé du jeu et euh, qui a partagé effectivement euh, le contenu euh, du nouveau pack qui va sortir demain alors qu'on soit bien clair euh, il n'y a pas encore le contenu euh, du casse ni les nouveaux meubles. Mais d'après ce qu'on va voir dans les terrains et dans les maisons, vous en jugerez par vous-même, vous vous ferez votre propre jugement. Mais euh, il n'y a pas grand-chose. Ah, il n'y a pas énormément de choses nouvelles en meubles. Il n'y a pas énormément de choses nouvelles à part ce qu'on a vu dans le trailer au niveau des coiffures ou des vêtements. Du moins là, il n'en parle pas. Pas du tout. Juste à un moment, mais on va le voir ensemble. Euh, on va laisser le temps. Tu t'ennuies au taf à mourir. Ouais, ben là, je présente, tu vois, le contenu du nouveau pack euh, au niveau des terrains, du moins, des maisons, euh, des, meubles, enfin, des meubles, ouais, si on peut, on peut dire qu'il y a des meubles. Par contre, ouais, vous aurez beaucoup de cactus, c'est clair. C'est clair. Il y aura beaucoup de cactus, il y aura beaucoup de nouvelles plantes. Hein. Voilà, ce, ce, ce que je vous avais dit hein, dans ma vidéo, un petit peu coup de gueule pour les trolls, là. Euh, donc euh, voilà. Donc alors première chose que j'ai à dire avant de débuter euh, parce qu'on va attendre un petit peu. Suis... Pour une fois je suis à l'heure. Alléluia. 14 h pile poil. On va attendre. Il est là. 14 h 9. À 15 on va débuter. Euh, je voulais quand même donner une grande précision quand même qui est importante pour moi. Alors je sais pas. Peut-être parce que je, je suis quelqu'un de curieux ou que je voilà. Euh, J'ai été choquée, je vous l'avais dit dans ma vidéo coup de gueule, euh, par des gens qui parlaient du Grand Canyon au Nevada. Help! Help! Euh, ce sont pas des petits youtubeurs en plus. Hein. Euh, donc, niveau géographie, pour une... là, ça va être... on va débuter comme ça avec un petit peu de culture. D'accord? Donc, effectivement, c'est une ville aux États-Unis, typique américaine, et je vous l'avais dit dans ma vidéo coup de gueule précédente. Euh, c'est une ville typique des États-Unis qu'on peut retrouver dans, dans, des, dans des séries télé. Vous voyez toutes ces villes, comme je vous ai dit, dans Ghost Whisperer. Enfin, toutes ces petites villes où tout le monde se connaît, typiques américaines. Euh, effectivement, c'est situé au niveau du Grand Canyon, il n'y a pas de problème. Mais le Grand Canyon, il est en Arizona. D'accord Il n'est pas au Nevada, les youtubeurs là. Euh, excusez-moi, vous avez des, des gamins qui sont au collège, au lycée, qui jouent au Sims 4, ne leur donnez pas des infos géographiques qui sont fausses. Si vous voulez parler du Grand Canyon, autant le faire correctement, allez sur Wikipédia, si vous savez pas où c'est le Grand Canyon, je vous le dis, c'est en Arizona, d'accord. Je vais vous faire une, une petite minute, une petite seconde d'intelligence, hein, pour changer. Salut la donzelle. Euh, je m'en fous, moi, des Sims j'aime pas les sims mais j'adore ta voix merci c'est gentil donc la petite minute culturelle à chirel hein, parce que ben ouais, chirel elle est conne chirel elle a une grande gueule chirel elle est tout ce que vous voulez mais elle a un cerveau je... c'est pour ceux qui en doutaient voilà pourquoi parce que je connais les États-Unis voilà tout simplement d'accord donc le Grand Canyon pour votre petite culture aux youtubers qui ont foutu le, le Grand Canyon en euh, Nevada D'accord Le Grand Canyon est en Arizona. Et pour la petite, pour la petite info, hein, qui peut un petit peu développer euh, l'intelligence de nos enfants au niveau de l'école, hein, ça se trouve au nord-ouest des États-Unis. Il fait 4927 mètres carrés, le Grand Canyon. Hein. Il a été fondé en 1919 et il a été creusé par le fleuve du Colorado. Donc, le Nevada. Là, hein D'accord les trolls n'aiment pas les filles avec un cerveau. Je si, m'en fous, moi j'en ai un, je le revendique. Comme eh ben, je, je revendique tout, ça je gérasse. Je, tu sais, je m'assume, moi, dans ma connerie. Voilà, ben, ben oui, c'est pathétique et c'est très grave, je trouve, parce que c'est des youtubeurs qui ont beaucoup, beaucoup de vues, qui ont beaucoup, beaucoup de suivi, dont beaucoup de gamins... Euh... Enfin, gamins... Ben, 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 ils sont pas tous gamins, mais enfin bon. Ceux qui sont en 6e, sixième, cinquième, quatrième et qui vont aller à l'école le lendemain en disant que le Grand Canyon est au Nevada.. Bonjour les notes. Voilà, donc euh, ma petite minute culture à moi qui a un cerveau. Euh, voilà, le Grand Canyon est en Arizona. Voilà. Et non pas au Nevada. D'accord? Parce que là, c'est bon, tout le monde a suivi. Pas besoin de bécherel. C'est cool. Bon alors on va attaquer. Alors je vous préviens, je vous le dis, je vous avais prévenu dans ma annonce, dans ma vidéo précédente. J'avais piqué mon petit coup de gueule par rapport au troll. Et par rapport à ce pack qui n'était pas du tout prévu, vu qu'on nous avait promis un pack super naturel, d'accord, où on nous avait fait voter. Je vous l'avais dit sur Twitter bien avant les saisons. Euh, les Sims gurus nous avaient dit nous sommes à l'écoute de notre communauté et euh, nous vous demandons de voter sur Twitter pour savoir quel est le prochain pack que vous souhaitez, notre communauté que nous aimons tant et que nous écoutons. Donc nous avons tous participé sur Twitter, enfin, nous avons été des millions à participer et à voter. Et qu'est-ce qui est sorti gagnant C'est le pack sorcière, supernatural. Donc avec les fées. Euh... Ils ont menti sur le pack. Oui, oui, magie, exact. Donc les... c'est ce que je suis en train de dire. Donc pour revenir à ça, quitte à me faire taper sur les doigts, je m'en tamponne, qu'on soit bien clair. Ils nous ont fait voter sur Twitter pour un pack. Euh, donc il y avait trois possibilités de packs. Et le pack qui a gagné, c'était le pack supernaturel, c'est-à-dire la magie, avec inclus dedans les sorcières, les fées, les sirènes et autres personnages Sims supernaturels, qui auraient donné du gameplay, d'accord Puisqu'en dehors des aliens et en dehors des vampires, on n'a que des Sims. Vous savez, les Sims qu'il ne faut pas abîmer, qu'il faut laisser jolis, qui vivent au pays de Ken et Barbie et au pays des bisounours aussi. Donc il ne faut pas les tuer, il ne faut pas les abîmer. Le pack vampire, il est pourri parce que les Sims, ils sont pas beaux dans les vampires. C'est un gameplay, le pack vampire. Donc, ça vous apporte une autre façon de jouer aux Sims. Les aliens sont très méconnus. Pourquoi Parce qu'ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux non plus. Et puis, ils parlent mal, les aliens. Heureusement que tourne Sims est là pour nous les faire découvrir. Parce qu'il y a énormément de choses à faire avec les, les aliens. Euh, ouvrez un petit peu vos œillères, s'il vous plaît, les gens. Ceux qui aiment les Sims. Hein. Quand on a un jeu, on, es on essaie de l'explorer de A à Z. On joue un petit peu avec tout. Et on essaye de tester tout ce que les créateurs proposent dans un jeu et on ne le rush pas. Donc il n'y a pas eu, hein, j'ai fait des recherches, j'ai passé ma nuit là. J'ai passé ma nuit, je vous ai trouvé ça. Euh, c'est le seul pour l'instant qui a sorti un peu plus de précision sur le pack et on, on voit du gameplay. Euh, essayez d'ouvrir un petit peu vos œillères et d'arrêter de dire que le monde des Sims, il est tout beau, il est tout gentil. Parce qu'au niveau communauté et mentalité, c'est de la merde. Hein. Il y a tous les jours des emmerdes avec les Sims. Il y a tous les jours des gens qui viennent pour faire chier sur les lives. Et ça, je ne vais pas y revenir dessus. J'ai déjà fait une vidéo d'une heure et demie là-dessus. Euh, donc voilà, si euh, vous voulez que les Sims restent jolis, beaux, il euh, ben, y a des chaînes pour ça. Il euh, y a des chaînes qui font que des challenges. On vous respecte. On respecte vos gameplays. Faites-en de même avec les streamers qui... Je suis désolée, on est dans un pays, la France, de liberté d'expression. Euh, là, c'est un pack... Qui va casser du troll, ouais, c'est clair. Euh, donc, euh, ben les petits trolls qui voulaient pas que vos sims, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo coup de gueule, vous nous faites chier tous les jours. sont sur... ben, excusez-moi, hein, j'ai un peu vulgaire, mais chier dans le dictionnaire, merde aussi. Donc, je suis pas vulgaire, non, je suis pas. Euh, donc, voilà, ah, ben, on va dire, mais elle pète plus haut que son cul, ouais, si vous voulez aussi, je pète plus haut que mon cul. Je fais juste que constater qu'on nous prend pour des vaches à lait et vous allez le voir par vous-même. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que je suis hors de moi. Hors de moi. Donc on n'a toujours pas le prix de ce pack. Alors il y a un bruit qui court. Je dis bien un bruit qui court. Comme quoi il serait à 19,99. Le prix euh, d'une destination vacances. Mais tout en n'étant pas une destination vacances. On se comprend je, que là c'est bon. Donc voilà, donc euh, il serait à 19,99. Pour l'instant, rien n'est affiché, ou alors je n'ai pas eu le temps d'aller regarder, j'ai déjà passé ma nuit à vous chercher quelque chose. Pour montrer que moi, je ne suis pas payée par Electronic Arts, c'est les Sims qu'on peut me cracher sur la tête, mais en attendant jusqu'à présent, je pense que je suis la seule à vous montrer du gameplay. Voilà, du moins au français. Voilà. Et j'ai passé une heure à écouter un jeune homme américain et à vous traduire tout ça. Voilà. Donc l'histoire du Grand Canyon, elle est résolue. Donc, qu'est-ce qui avait été dit euh, lors de la présentation du trailer, 11 terrains. Ok On va rire On va rire Gros foutage de gueule Gros foutage de gueule Allez, on, va, on y va Je vous avancerai parce que, à moins que vous vouliez le son et vous me le dites, mais vous entendrez parler en américain. Comme vous voulez. Je vous mets le son ou pas, vous me direz. Donc, ici, bon, y blablate hein, Voilà, quand vous allez ouvrir votre pack StrangerVille, vous aurez ceci qui vous parle de la ville, qui dit que vous aurez des nouvelles plantes. Il n'y a pas 11 terrains, tu vas t'asseoir la donzelle. Là, par contre, vous avez de quoi vous taper le cul par terre, hein, je vous le dis. Hein. Parce que c'est gros foutage de gueule. Ok, après, je ne dis pas pour le reste, il y a beaucoup de choses qui sont très bien. Je reviens sur ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, mais foutage de gueule au niveau des terrains. Voilà. Donc là, je vais avancer un petit peu, parce que ce qu'il dit, en gros, c'est voilà, que tout est beau, tout est né. Hein, évidemment, il paye pour. Donc il ne va pas vous dire le contraire. Moi, je ne suis pas payé pour. Donc si j'aime pas, je vous le dis. Donc là, il vous explique. Euh, voilà, qu'en gros, euh, je ne vais pas vous traduire. Euh, bienvenue à Strangerville. Voilà, les saisons euh, n'auront pas d'impact. Qu'on soit bien d'accord. Les saisons n'auront aucun impact sur Strangerville. Exactement comme dans Oasis Spring. Le climat sera le même dans Strangerville que Oasis Spring. Jusque-là, on est d'accord? On a des packs. On a acheté des packs, mais ils auront un con impact ici. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce qui est dit ici. Maintenant, si on ne me croit pas, je vous invite à aller voir cette vidéo. Elle est sur YouTube, d'accord Je ne l'ai pas inventée. Euh, le jeune homme qui fait ça fait partie d'Electronic Arts. C'est quelqu'un qui, qui est reconnu par, la, par les Sims, gourou, d'accord un, un petit peu, c'est notre Anna Gaming à nous. Voilà. Mais, mais bon, Anna, Anna est beaucoup plus intelligente, je pense. Je pense. Elle, elle sait être, même si elle est payée par Electronic Arts, elle sait au moins dire. Avec sa façon à elle beaucoup moins brutale que la mienne, mais elle sait au moins dire qu'il y a des choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien. Euh, Qu'est-ce que tu n'as pas compris la donzelle? Ben que les saisons, le pack des saisons, d'accord, que tu as acheté, enfin, on n'a pas trop eu le choix ce jour-là aussi pour le pack des saisons. Mais ça, c'était mon coup de gueule d'avant. Donc euh, le pack des saisons n'aura aucun impact sur cette ville. Comme dans Oasis Spring. Oasis Spring, t'as pas l'hiver. T'as pas la neige pas tout ça donc le pack saison il aura pas les saisons là dedans ta ville elle reste comme à oasis spring il fait chaud tout le temps il fait beau l'hiver il fait beau à oasis spring il neige pas la neige ne restera pas la pluie euh, il pleut pas à oasis spring voilà donc ça sera pareil pour strangerville voilà donc, on va arriver sur le plan euh, bah, du premier terrain, hein, celui du trailer. Je vais essayer d'avancer un petit peu parce qu'il parle beaucoup au début pour pas dire... Qui c'est? <laughs> Sargeras. Alors, voilà le beau terrain du début. Voilà. Alors, je vous le dis, gros foutage de gueule. Le terrain, vous allez le voir, euh, il fait 15. Ans par 20 d'accord 15 par 20 votre terrain il est délimité ici exactement voilà ça c'est votre terrain 15 par 20 ok ici les jolies caravanes où vous baviez tous devant c'est de la déco déco c'est à dire que si par exemple vous passez le bulldozer sur ce terrain en 15 par 20 vous allez raser ici votre maison mais par contre, ici, tout ça là qui entoure, on va le voir mieux après. Tout ça qui entoure là. Ah, tout ça. Tout ça. Déco. Décoration. Donc, vous rasez votre terrain, vous aurez toujours les caravanes autour. Hein. Voilà. Et bien sûr, vous n'avez pas accès aux caravanes autour. D'accord Voilà. Voilà, il vous montre le joli terrain. Et bien sûr, dedans, qu'est-ce qu'il y a de nouveau Alors, on se retrouve avec les lits. D'accord. Et les meubles, si vous regardez bien. j'ai pas tout épluché non plus. Hein. Je vais être cache avec vous. Euh, la carav les caravanes autour, oui, elles sont fausses là dans elles. C'est la déco. C'est la déco comme énormément de choses dans le jeu. Dans ce pack. Donc ici... Enfin, moi, j'ai pas acheté le pack, euh, comment s'appelle Le pack célébrité. Donc, euh, je ferai attention à ce que je dis quand même. Hein. Euh, voilà. Mais ici, on peut retrouver donc, le nouvel ordinateur euh, qui sera dans le pack. Euh, désolé je pense la caravane est fausse euh, je... désolée je pensais avoir fait avant je viens de me rendre compte que j'étais pas abonné Oh Sargeras mais c'est quoi ce bordel non je déconne mais t'es fada Donc on aura bien le nouvel ordinateur hein, qu'on voit ici mais dans toutes les maisons vous allez le voir mais je vous promets alors vous me reprendrez parce que j'ai pas le pack célébrité mais j'ai un petit peu vu euh, les meubles d'ailleurs qui sont magnifiques du pack célébrité ça c'est ce que je tiens à dire euh, il n'y a que les meubles de base. Vous savez, les Sims 4 de base. Hein le jeu que vous avez acheté, tout cucu, là, au début, où il n'y a rien. Et bien, dans toutes les maisons de cette ville, vous ne retrouverez que des meubles de base, mis à part dans le bar. Voilà. Mais on va le voir après. Donc ici, meubles de base, hein, on est bien tous d'accord. Euh, je vous autorise à me reprendre. Je ne suis pas une pro non plus à regarder tous les détails voilà, du, des meubles. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Pour l'instant, on n'a aucune info qui a filtré. Euh, salut Patch. Euh, on n'a aucune info qui a filtré au niveau du casse. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Je ne vais pas vous parler du casse. Je ne vais pas vous parler des meubles. Euh, J'ai je, juste jeté un oeil, hein, comme vous allez le faire avec moi. Mais il n'y a, je n'ai pas vu de meubles mis à part au bar qui soient nouveaux. Alors effectivement, il y a les, les, les deux ou trois petites coiffures, hein, les deux ou trois t-shirts, ça c'est sûr. Maintenant, après, je sais pas. Pour l'instant, ça n'a pas filtré au niveau du casse. Euh, on verra ça demain soir, puisque les Sims Gurus font un, un live en présentant le monde, comme on vous le présente là. Et où on vous présentera le casse. Non, non, je bute pas les Sims. Je dis ce que je pense du nouveau pack. Voilà. Donc, on va continuer la petite visite. Hein. Ok. Merde, j'ai fait quoi J'ai remis à zéro. Ah, mais elle... oh, merde, je me suis planté. Non, attendez, stop Stop Je veux pas aller sur. Euh... Ah, attendez, j'ai fait une connerie. Ça c'est moi quand je m'énerve. Alors attendez. To-to-to, j'ai fait quoi Mais qu'est-ce que j'ai fait C'est pas ça que je veux. Voilà, je veux StrangerVille World. Je suis passé sur chat. Lol. Mais non, pas toi. Mais qu'est-ce qu'il me fait Qu'est-ce qui me fait YouTube Mal. Donc, on va avancer. On en était où euh... On va passer direct à la map, hein, de toute façon. Donc, voilà le terrain. Voilà. Alors, je vais vous le remettre en grand écran. J'ai fait une mauvaise manip. Excusez-moi. Ça peut arriver. Hein. Ma souris a... a glissé. Donc, voilà. Votre terrain, il est limité ici. 15 par 20. D'accord Tout ça là. Les caravanes là. Celle-là, elle n'est pas habitable. Hein. Déco. Ici, déco, 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 grand terrain pour beaucoup de déco pour un terrain 15 par 20. Okay. C'est là où euh, il a choisi de mettre sa famille. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Grand terrain, beaucoup de déco pour un, un petit terrain de 15 par 20 que vous pourrez effectivement raser si vous avez envie. Mais comme je vous l'ai dit au début, vous ne pourrez raser que cette partie-là. Les caravanes ici qui sont de la décoration ne vont pas disparaître. Ouais, mais enfin, pff, véhicule en déco, tu peux même pas y aller, quoi. Tu peux même pas aller la voir. Ton terrain, il est là. Il est limité là. Donc là, tout ça, ça sert à rien. C'est. Voilà. Ça meuble. Ça meuble. Ça meuble. Ok, donc on va aller voir la map. Vous êtes prêts La map. La map. Ouais, la map. 11 terrain. Ok. Youpla boum. Onze terrains. Oui, vérité. L'une dans l'autre. 11 terrain, pourquoi Parce qu'il vous inclut tous les terrains de la map. On vous a dit 11 terrains et le labo secret. Ok Ok. Alors, on va compter. Factice ici. Là, à gauche, terrain factice. Il le montre un peu plus tard. Euh, ici, terrain factice. Ici, terrain factice. Ici, vous avez donc un terrain habitable. Ici, habite. La Sims qu'on a pu voir dans le trailer avec son mari et sa fille. Qui est celle qui, vous savez, vomit et qui se tord dans tous les sens. Elle habite ici. Un 30 par 20. D'accord. Et c'est la famille Thicksworth. Voilà. Donc, c'est elle qui vomit ses tripes et ses boyaux là. Dans le trailer que vous avez pu voir. Ici, vous aurez une autre habitation. Toujours 30 par 20. Voilà. Toujours 30 par 20. Ici. Vous pourrez y habiter. Vous avez ici le terrain de la caravane, où il a choisi lui de mettre son, sa famille. 15 par 20. D'accord Donc en gros, qui est disponible Il y a combien de terrains On va les compter où on peut habiter, hein, sans virer les cimes, sans les expulser, puisque je tiens quand même à préciser que dans ce pack, hein, ce terrain-là est quand même important avec ses habitants, puisqu'elle a un rôle conséquent, elle, dans le trailer. Ici, vous avez le crash avec l'avion qui s'appelle Pénélope. D'accord. Je vous expliquerai après. Euh, donc, ça fait un terrain habitable ici. Un terrain habitable là. Un terrain habitable ici, vous pouvez builder, ici en haut. Et un autre là. <laughs> ça fait combien de terrains habitables chez vous Moi, chez moi, ça fait 4. D'accord OK. Donc, 4 terrains habitables. Alors, effectivement, vous me direz, mais non, t'as les autres terrains, chiral tu dis que des conneries. Alors, ici habitent euh, les électriques, euh, l'électrique family. On va les voir ensemble. C'est ceux du trailer qu'on voit. Vous savez, le métis qui tousse qui touche avec les Rastas. Voilà. Euh, qui tousse avec les Rastas. Il habite ici, là, dans cette maison. Avec euh, la métis blanche, euh, la métis black, avec la nouvelle coiffure. So cute La nouvelle coiffure. Vous savez, les tresses, là. Ils habitent là, à trois, avec la petite blonde qu'on voit aussi, le chapeau de cowboy et les Santiag. Ils habitent ici. Ces trois potes qui, tout simplement, euh, on va le voir ensemble hein, de toute façon, mais je vous le dis d'avance, euh, ces trois potes qui habitent ensemble, qui ont abandonné euh, la ville moderne et qui ont décidé... Euh... Qu'est-ce qu'il y a Non, il n'y a pas 11 terrains, un mensonge exact là dans elle. Patch, vive les... laisse pas faire, non, mais je ne laisse pas faire, t'inquiète pas, euh, Patch. C'est pas ma mentalité de me laisser faire. Quand c'est bien, je dis que c'est bien, comme tous les jeux. C'est pas parce que c'est des Sims qu'on doit dire que tout est beau, c'est pas vrai. Donc si un jeu est à chier, t'as chier. Voilà. Donc je ne dis pas qu'il est à chier. Je dis que des gens se foutent de notre gueule. On se terrain, ils n'y sont pas. Alors, si, ils y sont. Ils y sont. Mais en comptant le bar, en comptant euh, les archives, en comptant le, le, la librairie, et en comptant euh, voilà, les, les villes que vous. Les maisons que vous ne pourrez pas habiter. Le terrain secret, il est là. Ici là. Le grand cratère, là. Donc, présentation de la ville, vite fait. Donc, vous avez ici là où habite celle qui vomissait et qui se tord dans tous les sens, d'accord Donc, c'est quand même personnage clé. Alors, vous aurez 11 terrains, effectivement, si vous virez tout le monde. Vous expulsez tout le monde, vous avez effectivement 11 terrains habitables. On est d'accord Jusque là, pas mensonge mais euh, ici, comme je vous dis, vous avez les trois amis qui vivent ensemble, qui ont un rôle important dans l'histoire, si, si vous voulez résoudre le mystère, d'accord Ici, vous avez la famille dont le propriétaire de la ville, on va dire le maire, d'accord Qui a créé le labo de recherche, ici présent, secret. Donc, euh, et où sa femme, on va le voir après, dit que depuis des nuits, il a un comportement étrange. Ça, on rentre dans le système de l'enquêteur. Comme on vous a expliqué dans le trailer, euh, si vous ne jouez pas le rôle de l'enquêteur, vous n'aurez pas les phénomènes, on dira, paranormaux ou bizarres qui vont se produire. Si vous commencez à mener une enquête, à aller aux archives, pianoter, chercher, parce qu'il y a des nouvelles interactions. Euh, si vous n'allez pas poser des questions au, 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 à ceux que vous avez vus dans le trailer, parce qu'il y a des petits onglets de conversation nouveaux, maintenant on va le voir. Eh bien, si vous rasez tout, ouais, vous aurez 11 terrains. Et où est l'intérêt de l'histoire après? Donc en fait, en terrain habitable, on va être honnête, il y en a un ici. Si on expulse personne et qu'on ne rase de rien, il y a un terrain, deux terrains, trois terrains, quatre terrains, un 15 par 20 et trois 20 par 30. J'applaudis. Voilà. Désolé, mais là, il faut arrêter. Alors 19,99 ou 40, excusez-moi, mais entre ce qu'ils ont dit ce qu'ils font, il y a une marge, mais je mais il y a des bons trucs. Attention, je ne fais pas que critiquer, il y a des bons trucs. On continue. Donc je, je voulais avoir américaine, je vous la mets, hein. c'est pas un problème. Vous verrez que je ne raconte pas des nouilles. Je me suis vraiment fait chier à traduire. Alors là, il est juste en train de lire euh, qu'en fait, voilà, elle, elle vient de de, de rentrer dans l'armée, donc c'est celle qui gerbe toutes tout, tout ces tripes au début. Donc elle vit là avec sa petite fille et son mari. Et qu'elle a été touchée effectivement par le virus, par le virus, et qu'elle fait partie de l'armée. Voilà. Donc, de toute façon, on va aller visiter sa maison. Et vous verrez qu'au niveau meubles, moi j'ai vu zéro. Hein. J'ai vu zéro. Donc la location était de 30 000 flou. C'est un 30 par 20, vous voyez. Ici, vous avez un 20 par 20 qui n'est autre que la librairie et les archives de la ville. C'est là où vous devrez mener votre enquête et la débuter. C'est là où vous allez trouver une nouvelle bibliothèque avec des interactions dessus qui vont, qui, il y a une nouvelle interaction sur les bibliothèques. Vous pourrez continuer à lire normalement, vous pourrez continuer tout ce qu'il y a sur vos bibliothèques, sauf que vous aurez un petit onglet toujours avec la plante violette là où vous pourrez faire des recherches par rapport à ça si vous jouez le jeu bien sûr. Donc là vous avez un autre terrain en train de parvenir habitable. Là on se retrouve au centre ville Plaza ce qu'on voit dans le trailer. Et quand je vous ai dit la dernière fois que la ville n'était pas si grande que si on pouvait l'imaginer, vous allez voir que je ne m'étais pas bien trompée. Hein. Voilà, je ne suis pas du genre à ouvrir ma gueule pour rien. Voilà. Donc là, il explique simplement, il est en train de lire ce qu'il y a. Donc, vous trouverez au centre-ville des militaires, etc., comme on a vu dans le trailer. Vous avez un petit bar. Hein. Par contre, n'y allez pas à 15, hein, parce que vous allez vous marcher dessus. Vous allez voir le bar. Plus petit, je n'ai pas encore vu, moi. Il est encore plus petit que là, la maison là. là. Là, le bar là. Il est plus petit là. Lui, plus petit que là. Voilà. Donc euh, le bar, donc bon évidemment, hein, vous pouvez le raser hein, si vous voulez. Il n'y a pas de problème, sauf que c'est le lieu de rencontre des militaires. Donc ça serait con de le raser. Vous voyez, c'est comme si vous enlevez le temple à la jungle. Ça, pour moi, c'est la même chose. Mais après, chacun voit son gameplay. Donc on va aller se balader avec un de ces personnages. Voilà, donc. Hein, je ne peux pas aller plus vite que, la, que ce qu'il fait, hein, bien que je vais vous en couper un petit peu, parce que bon... Il, il, il parle beaucoup 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 donc ici vous voyez le terrain avec euh, ah oui alors ça c'est important vous voyez le terrain donc du crash alors il n'est pas vide le terrain du crash vous avez donc l'avion pénélope qui appartient à Kyle georges Kail, qui est le pilote de l'avion et qui n'a pas voulu abandonner son avion pénélope hein, d'accord et qui vit donc sur ce terrain là donc vous pouvez aussi à lui lui poser des questions et vous comprendrez pourquoi d'accord Ok, jusque là tout le monde me suit. Je ne pense pas être très compliqué en ma... Voilà. Par contre, ça m'a pris une heure et demie à tout vous faire. Hein? Voilà. Donc Georges cahill hein? voilà. Donc il explique tout simplement que juste avant son crash, il a, eu, il a pris une lumière fulgurante euh, sur lui. Et qu'il euh, y a eu un court-circuit sur son appareil, d'où le crash. Ok et que lui, il a des choses à dire aussi. Donc si vous le radiez de votre carte pour prendre le terrain ou que vous allez habiter dans son avion, qui va répondre à vos questions pour mener votre enquête Point d'interrogation de ma part Je ne sais pas. Voilà. Donc là, il est en train de lire tout simplement ce que ça, ça dit. Bah oui, il euh, faut que tu résous un mystère. Donc chaque... Euh, c'est pour ça que je dis que chaque protagoniste que vous avez vu dans le trailer est important. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas 11 terrains, il y en a 3 où on peut habiter 1, 2 et 3. Et 4, pardon. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Horreur à moi. Ensuite ici, c'est un protagoniste important. Là, c'est celui qui est responsable et qui a créé le centre de recherche. Et ici, c'est les 3 protagonistes qui sont importants qui vont pouvoir répondre à vos questions. Et ici, alors là, vous allez rigoler. Qu'est-ce que c'est, Chirel, ça là Alors, ça, c'est tout simplement, vous, je ne sais pas, pour ceux qui ont Willow Creek, vous vous rappelez euh, la, le, la maison fantôme là-bas Vous avez les ruines, vous avez tout ça, vous avez la maison où vivent les fantômes là. Vous savez qu'il fait un peu musée, on ne peut rien y faire dedans. Mais vous pouvez parler avec les fantômes, aller dans le, le labyrinthe, euh, etc. La, la nénette à Alessantiag, elle, elle est là. Elle vit avec euh, le black que tu vois, euh, qu'elle est Noura, qu elle est rasta. Et la métisse black avec la coiffure et les tresses. D'accord Ils vivent là. C'est ces trois potes, je t'ai dit, qui ont, euh, qui ont quitté le monde moderne pour venir vivre ici. Euh, ils ont pour exprimer leur créativité. Alors, un est peintre, l'autre est musicien, je crois, et l'autre est écrivaine. Voilà, ils ont hérité d'une grande fortune de leurs parents et ils sont venus là pour euh, tout simplement exprimer leur créativité. Oui, oui, ils habitent ensemble, les trois. Euh, donc, qu'est-ce que je disais ici Donc, vous avez ce qu'il est en train de montrer, montrer là, pardon. Cette maison-là, elle n'est pas habitable, d'accord Non, c'est pas dit, mais moi je te le dis là. C'est marqué là. Donc, de toute façon, on va aller la visiter la maison. Donc ici, vous avez une maison euh, comme à Willow Creek, vous savez, le, le, le château fantôme au fond. Ouais, mais le roux euh, il est centré ici là, avec son petit shop, voilà. Le roux avec la casserole sur la tête, euh, fait enfin, la passoire. Le petit shop qu'on voit dans le trailer, il est situé ici, juste à côté de la caravane. Donc ce shop là, on pourra aller acheter. Il y aura des interactions particulières. Il va falloir débloquer un inventaire secret, donc sûrement monter l'amitié avec lui pour pouvoir y accéder. Et vous pourrez acheter des objets, euh, souvenirs de la ville, des objets aliens, des objets machin. Voilà. Lui il est centré ici. Il est tout seul à son shop là. Oui, 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 il vit là. Il n'est pas dans une seule des maisons. Donc, ici, je te le répète, la donzelle, ici, tu as la militaire que tu vois dans le trailer qui vomit ses tripes, qui se tord dans tous les sens avec son mari et sa fille. D'accord Ici, tu as l'avion avec le pilote qui explique qu'il a vu une grande lumière et qui s'est crash. Ici, tu as la maison où vivent celle qu'on voit dans le trailer avec la nouvelle coiffure, les tresses le mec qu'on voit avec les Rastas. Et celle qui a le chapeau cow-boy avec les Santiago, ils vivent tous les trois ici. D'accord Voilà. Là, tu as euh, le maire, façon de parler, du village. Enfin, celui qui a créé, en tout cas, le centre de recherche, qui vit ici avec sa femme. Et vous allez voir, il a un sous-sol assez particulier. Et, et c'est lui, justement, qui, euh, sa femme explique, euh, quand on l'a vu tout à l'heure, qu'il l'a montré. Il montre que sa femme euh, dit euh, que depuis des nuits, il a des comportements bizarres. Mais on n'a pas d'infos sur la zone militaire du trailer. Il n'y a pas de zone militaire. Il n'y a pas de zone militaire. La, les militaires euh, se baladent dans la ville, comme tous les Sims, et ils sont chargés de protéger le site de recherche, mais on va le voir après. Donc là, vous avez ce terrain-là, comme je vous disais, qui est une maison non, non habitable, avec un mystère autour d'elle, avec des phénomènes qui s'y passent. Un petit peu comme la maison de Willow Creek où il y a euh, les fantômes et que, qui font un musée, mais où vous pouvez trouver les, les fantômes là qui, euh, qui habitent. Euh, ou alors le phare. Hein, vous savez, dans le pack chien-chat, il y avait des camions. Ben bah oui, bah, c'est oui, ça s'appelle de la déco, ça s'appelle une bonne annonce, la elle. Là aussi, tu vas voir des voitures roulées, mais tu ne pourras pas les prendre. Hein. Donc les militaires se baladent à pied, tu vas le voir. Euh, là, c'est la map que je te montre. Donc j'y vais, vais par étape, mais tu verras après. On va rentrer dans la ville et tu vas voir que les militaires marchent à pied. Et dans l'histoire, comme il l'explique, ils sont chargés de surveiller. Parce qu'elle a précisé, elle, la femme de celui qui a créé le centre de recherche, et les villageois, enfin les habitants de, 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 de Strangerville, disent qu'il y a eu un craquement, qu'il y aurait une fissure. Et ce serait de là que tout vient, et on va le voir, puisque vous allez voir que les roues sont craquelés et qu'il y aurait eu une explosion. Voilà, donc, il va il, comme il le dit, je ne vais pas spoil. Voilà, il va pas spoil. Je ne peux pas vous dire plus que ce que j'ai. Je vous traduis là. Voilà, donc les militaires, leur but est de sécuriser ici. Voilà, donc euh, vous allez voir que dans le cratère, ici, quand on va rentrer dans le gameplay de la personne, vous allez voir que les militaires sont centrés ici. Il y a les camions. Euh, vous allez avoir envie le marché. Là, pour l'instant, je monte les terrains. D'accord, chaque chose en son temps. Il y a le cratère, donc j'imagine un truc à péter là-dedans. Non, c'est un petit peu. Si tu veux, je pense comme la jungle parce que quand tu vas voir quand on va aller là, euh, il y a une porte ici. Donc je pense qu'il va falloir trouver le moyen d'y rentrer. C'est assez protégé. Donc euh, d'où le fait de résoudre l'énigme. Voilà, pour savoir ce qui s'y passe. Tout par de là. Tout par d'ici. Et lui, est pas net. Donc, il euh, va falloir mener votre enquête. Euh, voilà. Maintenant, si, comme ils disent, on a la possibilité de ne pas mener l'enquête et simplement de prendre la carrière militaire, je ne vois pas l'intérêt puisque c'est un pack qui vous apporte justement du gameplay. Donc, vous qui dites tous, vous êtes tous à dire que vous voulez du gameplay, qu'il n'y a pas assez de gameplay. Là, c'est un gameplay, comme je vous l'ai dit, et il le dit aussi, et on le dit. beaucoup. Euh, c'est un gameplay qui est un peu similaire à la jungle. Donc vous aurez 5 euh, configurations possibles. D'accord C'est-à-dire vous allez venir, vous allez décider de jouer le rôle de l'enquêteur. Au début, vous aurez pas beaucoup de, euh, de, de, de phénomènes qui vont se produire. Si vous commencez à mettre votre nez aux archives, à poser des questions, boum, ça y est, vous rentrez dans l'impôt de l'enquêteur. Vous voulez savoir ce qui se passe dans ce village. Pourquoi il y a ce virus Comment on l'attrape Attention, vous pouvez le choper aussi. Mais comme cela a été dit, vous partez de la ville, vous revenez chez vous, vous n'habitez pas là, vous venez simplement promener votre enquête, vous repartez chez vous, vous avez le virus, vous ne contaminerez pas les gens. Si vous habitez à Willow Creek, vous ne contaminerez pas les voisins. D'accord? La maladie touche juste les gens de cette ville. Vous, vous y allez, vous le chopez, vous repartez avec votre virus. Vous pouvez en mourir, mais vous ne contaminerez pas Willow Creek ou Easy Spring ou selon où vous habitez. D'accord? Jungle est très bon pack, donc si c'est pareil, ça me rassure. Je peux pas te l'assurer. Maintenant, c'est ce qui est dit. Moi, comme je t'ai dit, là, c'est demain soir que les Sims Gurus vont faire leur live. D'accord Lui, il nous a donné euh, la possibilité de voir le jeu en gameplay, où il montre vraiment la ville, les maisons, les personnages, mais on n'a pas accès au pack, au, au pack euh, enfin, pas au pack, euh, au, je ne vais pas y arriver, au, euh, au casse. Ni les nouveaux meubles, mais bon, si vous regardez les maisons, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau au niveau du casse et au niveau du pack. Ouais. Dommage, Niveau meubles, je parle. Hein. Après, je peux me tromper de ce côté-là. À voir demain soir les Sims Guru quand ils vont présenter les détails du casse. Qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle tenue, comme cheveux, comme machin Bon, on y voit quand même pas mal hein, dans ce truc. Hein. Vous allez voir, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Vous allez vous faire votre idée. Mais la base, c'est voilà, vous arrivez dans cette ville, il y a des choses pas normales qui s'y passent. Soit vous ne, les, vous ne jouez pas le rôle de l'enquêteur, vous prenez que la carrière militaire et c'est une carrière à domicile, vous ne pouvez pas suivre votre Sims, ça c'est sûr. Donc vous devrez monter des échelons. Il n'a pas voulu dire combien il y a de niveaux au niveau de la carrière militaire. <laughs> Par contre, il faut les monter pour devenir un gradé. Les tenues changent, comme dans toutes les, toutes, tout ce que vous avez pu voir au niveau des, comment ça des, des, des carrières. Hein. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Hein. Euh, vous commencez en bas de l'échelle, vous montez petit à petit et les tenues changent avec mon niveau. Voilà, tout simplement. Je ferai déménager ma famille à saint Alors, si tu la fais déménager que tu y habites, toute ta famille peut choper. Hein. Voilà. C'est dès que tu rentres dans cette ville, tu tu peux choper le virus sans mourir. Alors non, il y a non. Alors il n'y a qu'une seule carrière. Il y a la carrière militaire, c'est tout. Après dans la ville et on va le voir, vous allez croiser des Sims qui auront des nouveaux tags qui s'appellent com le, le complot terroriste, qui eux sont, portent les vêtements qui sont euh, qui portent la veste que porte le, le gars qui est dans le qui est dans le petit shop là. Voilà, ils portent cette veste là et faut aller les questionner. Voilà, mais on va le voir de toute façon. Ok? Donc là, vous avez donc ce terrain qui est un terrain non habitable et qui est un terrain que vous pouvez raser, hein, bien sûr, mais qui est quand même un terrain important, d'accord Voilà, donc, euh, voilà. Bon, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que voilà, il y a 1, 1, 2, 3, 4 terrains habitables, 3, euh, euh, 30 par 20, 1, 10 par 15. Rien que ça. Ça ne vous, ça vous, ça vous choque pas. 11 terrains, ils avaient dit. Ils avaient oublié de dire donc 11 terrains, mais que 3 habitables. Alors, bien sûr, comme j'ai dit, vous pouvez euh, éjecter les autres Sims et prendre leur maison, mais ce sont quand même des, des protagonistes. Oh là là, aujourd'hui, j'ai pas mis ma dose de café. Euh, ce sont quand même des protagonistes importants du jeu, quoi. 10h15. 10-15 c'est vraiment trop petit, ben ouais, ben oui, mais bon, ton terrain, tu as l'impression que c'est un 20 par 30, mais c'est que de la déco. Et tu vas voir après, quand je vais rentrer dans le terrain, euh, tu vas voir la taille de la, du terrain, hein. je ne te raconte pas des bourdes, hein. je ne suis pas là pour ça, j'en ai rien à foutre. Non. Donc on va continuer, donc là on est au terrain de l'aviateur, donc qui s'écrasse suite à une grosse lumière, il explique, et que son avion, qu'il appelle Pénélope, s'écrasse suite à cette lumière qu'il a pris dans la tête, ok Donc on va avancer. Donc, je vous avance. Euh, voilà, donc il nous montre le terrain avec donc Kyle, on en était là quand ça crache. Alors ici, voilà, ici vous avez la famille Roswell qui habite là. C'est lui qui a créé, Ted Roswell a créé le laboratoire, ok. Et sa femme, euh, c'est écrit ici, euh, sa femme Meredith. Euh, nous explique que Ted a des activités étranges la nuit. Et on va comprendre après pourquoi, parce qu'on va rentrer dans toutes les maisons, on va tout visiter. Voilà. Donc sa femme est inquiète pour son mari, et d'autant plus que c'est un petit peu le, le, celui qui a créé la ville, et qui a surtout créé ça, qui provoque tout le reste. Voilà. Donc, on continue. Je vais vous avancer. Hop. Là, il n'y a rien de neuf. Voilà, là, il explique en montrant le truc que c'est le créateur de ça. Voilà. Alors, ici, voilà. Ici, il a montré vite fait où habitent les trois potes. Et là, on revient sur sa partie. Voilà, 1, 2, 3. Vous avez donc la blonde avec euh, les, euh, les Santiago, Celle qui a la coupe euh, avec les deux tresses, qui fait du, du nouvel appareil de gym. Et ici, vous avez donc le gars qu'on voyait tousser avec la blonde de là dans le trailer, avec les Rastas. Ok, ils habitent ici. Donc il y a quand même euh, tous les protagonistes du trailer qui sont sur la map. Voilà. Donc après, libre à vous si vous voulez raser la ville, hein. mais bon, après quel intérêt Donc on va continuer. Donc il explique que ce sont donc trois créatifs qui ont quitté le monde moderne. Et qui ont hérité d'une grosse somme d'argent de leurs parents et qui sont venus habiter là pour euh, exprimer leur créativité à cause du paysage et euh, résultat du topo ben voilà vous avez vu un petit peu le trailer euh, elle, euh, elle, elle, elle elle va mener l'enquête un petit peu c'est ce qui était marqué dans le trailer lui était touché par le virus je crois voilà, il toussait il commençait à tousser c'est les premiers symptômes donc là on revient euh, enfin, il revient sur des différents terrains je vous laisse regarder. Je ne vous mets pas le son. Hein. Vous, ouais, ça ne sert à rien. Vous, à moins que vous voulez entendre parler anglais. Voilà, donc là, il montre qu'il y a un 30 par 20. Ici, c'est pas habitable. Et ici, 30 par 20. Maintenant, vous pouvez habiter euh, cette maison si vous le souhaitez. Mais par contre, attention est -ce y a aux répercussions parce qu'elle est... Euh, il y a des trucs phénomènes étranges là-dedans. Voilà, un petit peu comme dans la jungle, les maisons où il y avait euh, les caractéristiques des terrains hein, avec les araignées et tout le bordel là. Voilà, donc là, le labo qui lui prend un 64 par 64, hein. Voilà. Labo secret, 64 par 64. Il explique donc que, voilà, c'est lui qui l'a créé, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Je vais avancer. Ça sert à rien tout ça. Donc ici, il est noté. Alors, je ne peux pas euh, trop vous... Euh, si vous ne me croyez pas, ben, hein, Google Traduction. C'est barré. Oui, c'est barré. Le nom, nom c'est Labo Mystérieux, mais il euh, y a un grand truc noir. Hein. Voilà, The Lab. Ouais. Donc, les, les résidents de Strangerville disent qu'il s'est passé quelque chose de mystérieux au Labo, d'accord Je vous traduis ce qui est marqué là, et qui comporte de, des secrets assez narcissiques, noirs, sombres, etc. Euh, il y a beaucoup de rumeurs euh, à propos du Labo secret. Euh, surtout la rumeur d'une explosion et d'une fissure euh, qui se serait propagée et qui aurait donc propagé euh, le virus. C'est pour ça que les militaires sont ici afin de protéger la zone et de s'assurer que tout se passe bien et qu'il n'est pas envahi par, euh, par les locaux ou par les visiteurs qui vont venir. Donc les militaires sont situés ici. Voilà, un petit peu comme les scientifiques sont cadrés dans leur truc de scientifique. Donc, ils sont là pour assurer la sécurité du labo. Voilà, donc en gros, il y a une explosion, machin, truc, ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc, on va avancer. Il n'est pas plus sur play. Il est plus sur play. Il ne veut pas avancer, monsieur. Ah, voilà. Donc, on se retrouve là, et la maison de la militaire qu'on a vue au début du trailer, qui vomit triper boyau et qui se tord dans tous les sens. Elle vient de finir son, son aspiration. Il euh... n'y a pas de nouvelle aspiration, je vous le dis. L'aspiration qu'elle vient de faire, c'est euh... l'aspiration la, la, des parents, là. Voilà. Ok. Donc. Voilà. Donc là, vous avez donc son mari, vous l'avez à elle, qui n'est pas en tenue militaire Treillie, et sa petite fille. Voilà, donc vous la reconnaissez, c'est celle qui gerbait trip et boyau. Alors, ici, vous avez le nouveau tag de la carrière militaire. D'accord euh, Comme d'habitude. Hein, voilà. Donc, elle, elle en est l'année au euh, niveau 4. Alors, euh, fitness recommandé pour la carrière militaire. Puisque si vous le voyez là, il y a écrit which, lui, level 4, fitness skill. Et son travail du jour va être de faire un jogging. D'accord? Donc je pense que la compétence fitness, ben je ne sais pas, je pense c'est... Voilà, compétence fitness à monter pour le travail de militaire. Un peu logique quand même. Il hein. vaut mieux avoir la santé en tant que militaire. Donc euh, sa prochaine, son prochain jour de travail est dans 3 jours. Euh, donc vous travaillez de 7h à 3h. Voilà. Et vous êtes de repos le sam le lundi et le dimanche. C'est en anglais. Hein. Euh, dimanche, ouais. Vous travaillez le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Jusque-là, c'est bon, c'est clair pour tout le monde. Vous avez des questions Non Pas de questions Non Bon, ben, je continue alors. Si vous en avez, vous n'hésitez pas. Donc là, il explique, voilà, sa fille, son mari. Donc voilà, l'intérieur de la maison. Ok Est-ce que là-dedans, vous voyez des nouveaux meubles Moi, non. Moi, non. Si vous avez tous les packs, est-ce que vous trouvez un nouveau meuble, un nouveau luminaire, quelque chose de nouveau là-dedans je, je vous pose la question. Alors si, ici, vous avez ça, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir interagir avec. On va le voir plus tard. Donc, euh, ça, c'est une pile de papier que vous pourrez poser qui sera dans, 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 le, dans le mode achat, dans, dans la déco, parce qu'il y aura beaucoup de trucs de, de déco. De déco. Euh, mais euh, vous aurez une interaction avec ça. Voilà. On va le voir un petit peu plus tard. Donc, voilà la maison. Donc, euh, libre à vous hein, de la remodeler si vous avez envie. Mais bon, c'est quand même. Une maison avec un des personnages. Euh, voilà, quand même qui est. Euh, voilà. Vous vous habitez là. Lui il habite là. Il a décrété qu'il habitait là. Voilà. Ah oui, vous n'avez pas vu. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Comme quoi je vous raconte pas des flancs. Voilà. Regardez la, euh, la taille des terrains. Regardez la taille des terrains. C'est des 20 par 30. Celle-là n'est pas habitable. Hein. Je vous le dis, elle est pas habitable. Celle-là est habitable, rappelez-vous, il y en a que trois. Il hein. y a celle-là. Ici on se retrouve avec la caravane. Donc, celle-là, euh, voilà, elle est habitée par, donc, la, la militaire. Donc, vous pouvez la, la relooker, à la limite, hein, avec des meubles ou des machins, si ce pas un problème. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas vu de nouveaux meubles. Là. OK. Voilà. Et là-bas, vous avez vu, là, regardez ce que je vous disais, la taille du terrain, là. Le terrain, normalement, c'est tout ça, tout ce grand carré, là. Ah, les sols sont craquelés de partout. Alors, est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque euh, Là, ici, le terrain, vous voyez, il fait tout ça. Là, le terrain avec la, les caravanes. Votre terrain, vous, vous le voyez, là, la délimitation, là Il l'a mis en éclairci. Ça ne touche pas les caravanes. Hein Donc, si vous voulez raser ça, vous allez raser effectivement votre petit carré là où vous pouvez habiter, mettre autre chose. Mais autour de vous, les caravanes, là, c'est du décor. Vous ne pourrez pas le raser. Ok et là, il n'y a rien d'autre qui vous choque, honnêtement. Vous ne voyez rien. C'est peut-être moi qui suis un peu trop euh, à regarder tout. Je ne sais pas. Donc là, le terrain de l'avion. Le terrain des, des caravanes. Hein. Ici, la petite, euh, le petit shop avec celui qui a la casserole sur la tête, là, enfin la passoire sur la tête. Ici, donc la maison de la militaire. Hein. On est d'accord Et là, qu'est-ce qu'on voit ici, là c'est quoi ça? Si vous, si vous élargissez, faites un petit peu preuve d'imagination. De, de de, 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 si vous agrandissez, là, on est déjà au centre-ville. D'accord? Donc, vous voyez le centre-ville qui vous paraissait super grand. Hein. Après vous, il est super grand, le centre-ville. Hein. Parce que vous allez être choqué. Hein. Qu'est-ce qu'il y a au centre-ville? Il y a juste la librairie, rien d'autre. Tout le reste, c'est du décor. Ok? Ok, on va le voir plus tard. Donc, on va avancer. Voilà, on revient là. Euh, je vous laisse regarder quand même. Hein, parce qu'on va dire, ouais, elle passe, elle met ce qu'elle a envie. Donc, je vous laisse regarder. Donc, on revient dans Gérer les mondes avec le joli prisme qui dure toujours 25 minutes. D'accord Ça, ça n'a pas changé. Donc, voilà. Donc, on a visité, on est d'accord. On a visité ici. On a visité ici. On a pu apercevoir le devant de la ville ici, qui paraît comme ça très grand, mais qui, en fait, vous allez voir, est tout petit. Et on va aller visiter l'avion, puis on ira visiter chaque maison. On est parti, je continue. Sinon, on va faire 5 heures de live. Euh, le, le seul shop euh, qu'il y a, ce sera la petite boutique du mec là. Il n'y a que ça. Donc, il monte le terrain là, habitable. Donc, on va aller voir. Donc, terrain que vous pouvez aménager. Vous, d'accord Vous pouvez aller y habiter. Voilà. Go On refait pause. Voilà, nouveau meuble. Est-ce qu'il y a des nouveaux meubles, là Mis à part l'ordinateur qui est là. Euh, voilà, et encore, je ne suis même pas sûre. Euh, mis à part l'ordinateur, là, nouveaux meubles Non. Nouvelles plantes, hein, oui. Certaines nouvelles plantes. Les cuisine, cuisine de base, table de base, bureau de base, canapé de base, la télé. Il a rien de neuf ok on continue ça c'est une maison que vous pourrez habiter une des trois terrains la caravane et celle là et après vous avez les deux terrains vides voilà alors il dit il précise là à ce moment là que ça lui fait penser à lui beaucoup aux maisons qu'on avait déjà dans willow creek je vous laisse juge de cela mais il dit que ça ressemble beaucoup aux maisons de style de willow creek voilà ce qu'il dit. Alors peut-être les fenêtres, je ne sais pas, je suis pas sûr. Comme j'ai pas le pack célébrité, je sais pas si ces fenêtres peuvent être dans le pack célébrité, j'en sais rien. Mais en tout cas, meubles, moi j'ai rien vu pour l'instant. On en verra un seul après. Nouveau meuble. Donc voilà. Donc ici, voilà ce que vous trouverez au niveau de la ville, partout. C'est-à-dire les craquements sur la ville. Voilà. Donc là, euh, c'est pas vous qui a rajouter, hein. vous allez le rajouter. Vous n'allez pas l'avoir dans votre casse. Il euh, ben, y a eu une explosion. Il y a eu... Il y a, y, a, y a des trucs paranormaux. Il faut bien que ça sorte de quelque part. Donc voilà. La, les, les, les rues sont craquelées comme ceci. Ah, ça, c'est de la déco aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de déco. Mais je dis très jolie ville. Hein. Très bien dessinée. Aucun problème. Très sympa. Mais déco. Beaucoup trop de déco à mon goût. Faut aussi que ça nous apporte à nous qui achetons quelque chose quoi. Enfin je sais pas, je, que vous en pensez, mais moi c'est ma façon de voir. Donc voilà, on va aller donc à la librairie, je pense. Ouais, voilà, on va aller à la librairie qui est aussi le centre d'archives. Vous allez pouvoir faire des recherches et où on va trouver enfin la nouvelle librairie et le seul magasin de la ville, d'accord C'est-à-dire les archives. Voilà. Donc on est bien. Vous êtes d'accord avec moi Je vais mettre un petit pause. On est bien au centre-ville, on reconnaît les camions des militaires, d'accord. Tout le reste ici, c'est de la déco, seul terrain où vous pourrez aller au centre-ville, c'est les archives, donc nouvelle bibliothèque avec des interactions qu'on va voir ensemble. Voilà. Donc beaucoup de maisons pourraient. Voilà. Tout ça, c'est déco, camions déco. Il le dit là, il dit vous ne pourrez pas interagir avec les voitures ni avec les camions. Nouvelle bibliothèque, hein. voilà. Donc là je me prépare à mettre sur... Ah je ne vais pas aller assez vite. Euh... Donc nouvelle bibliothèque, c'est ça que je voulais vous dire. Et vous allez voir la nouvelle interaction sur la bibliothèque. Pause. Oh mercredi. Eh c'est chaud hein, d'arriver à... Vu que j'ai pas le son. Donc vous aurez vu quatre fois la nouvelle bibliothèque. Ah trop tôt. Ah, bon enfin bref, vous avez une interaction avec lire, une interaction. Alors toutes les nouvelles interactions sont avec, sont avec la plante bleue alien. Voilà. Dès que vous aurez cette interaction, vous commencerez à faire une enquête sur ce qui se passe dans cette ville. Si vous faites que lire, lire quelque chose comme il y a dans toutes les bibliothèques, euh, effectivement vous ne lancez pas dans l'enquête. Par contre dès que vous allez cliquer sur des objets où il y a la plante bleue devant, avec une. Ça sera les nouvelles interactions qu'il y a, que ce soit au niveau des sims, des discussions de sims, ou euh, sur des objets, vous commencez à être à mener l'enquête. Donc vous allez déclencher les événements et risquer de choper, euh, voilà, tout ce qui peut se passer. Donc voilà, donc nouvelle bibliothèque, voilà. J'allais eu. Euh, voilà, vous aurez à chaque fois ceci. Donc, « Search Strangerville Archive ». C'est pas très compliqué à comprendre. Il ne faut pas avoir fait maths sup. Euh, les archives de euh, rechercher les archi dans les archives de Strangerville. Donc, si vous passez par là, vous commencez à mener l'enquête. Vous allez déclencher les événements avec une chance d'attraper de, de, euh, la saloperie. Donc, où vous avez la possibilité simplement de lire, d'ouvrir, comme d'habitude hein, dans les autres bibliothèques, ou de, de lire quelque chose. Ok donc attention, vous aurez ces nouvelles interactions. Dès que vous y cliquez dessus, que ce soit en discussion avec les Sims, que ce soit n'importe où, dès que vous avez ça, vous rentrez dans le mode de l'enquêteur. Voilà. Donc nouvelle bibliothèque. C'est le seul magasin qu'il y a dans la ville. Le seul. Alors, on ne va pas passer trois plombes là-dessus parce que moi je ne le connais pas. Euh, je, pour ceux qui, euh, qui voulaient le pack université, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Euh, pour ceux qui parlent anglais, si vous ne me croyez pas, ben, je vous invite à aller voir la vidéo. Euh, donc il dit que ça, ça, le, le, il est content parce qu'il retrouve le pack université. Alors moi je ne sais pas, je ne l'ai pas connu, donc je peux rien dire. Mais si dans le pack université, c'est trois bancs et un barbecue. Euh, voilà quoi. Seul, seul truc que vous aurez dans la ville. Hein. Tout le reste, c'est de la déco. Déco. Et effectivement, ce terrain-là où il y a les archives et euh, le petit banc, vous pourrez vous faire un barbecue, manger là. Rien d'extraordinaire en ce qui me concerne. Des nouveaux palmiers. OK. Ici. Un ah, porc épique. Je ne sais pas si ça sera dans le casse ou pas. Pour l'instant, ça n'a pas été dit. Donc, voilà. Ils vont en parler pendant 5-10 minutes parce qu'il est content. Il retrouve ici l'ambiance voilà, université. Voilà. Moi, je l'ai pas connu le pack. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je ne fais qu'écouter euh, ce que le jeune homme dit euh, et qui est payé pour ça, pas moi. Donc, voyez tout ça là. Toute la ville. Là. Vous l'avez là, en U. Voilà. Les voitures militaires, les bagnoles, machin. Tout ça, c'est du décor. Vous ne pourrez pas aller là euh, acheter euh, des pompes. Vous ne pourrez pas aller là acheter. Vous ne pouvez même pas construire ici. Hein. On est bien d'accord. Seul terrain de la ville, c'est ça. Je vous laisse mettre de vos propres jugements là-dessus. Moi, bon, le mien est fait. Voilà, donc juste ça, au centre-ville. Ah, et là, vous allez voir que les militaires se baladent, etc. Bon, je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. C'est très bien qu'il ait fait ça. Hein. Ça permet de voir un petit peu plus clair quand même avant de l'acheter. Il sort demain. Hein. Après, c'est vos sous. Hein. Voilà, donc tout, tout le contour du, du, de la ville, là, c'est de la déco. Euh, nous, un rond avec des bains, c'est l'université. Bah, je sais pas, c'est lui qui le dit. Je sais pas, moi je n'ai pas, pas eu le pack université, donc je ne peux pas savoir. C'est pour ça que je vous demande. Voilà, donc là il vous fait faire le tour de la ville, hein, d'accord Avec les trois quarts des terrains qui sont pas habitables, mis à part ce que je vous ai montré. Qu'on retrouve ici, là, euh, voilà. Euh, là, euh, là le, le, le petit truc, on va le voir de plus près. Le petit shop, voilà. Donc seul truc euh, de la ville. Voilà. Là il montre que tout ça c'est du factice. Hein, tout ce qu'il vous montre là. Tout ça c'est factice, déco. Déco. Ça fait beaucoup de déco quand même hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi ça fait beaucoup de décoration. Grande ville mais pas beaucoup d'habitations. Voilà. Donc là, il montre voilà que voilà, les voitures, vous voyez, elles passent, hein, elles roulent, il hein, n'y a pas de problème. Aucun problème. Mais par contre, vous n'avez pas les voitures Moi je sais pas, je ne connaissais pas euh, le pack université, donc je ne peux pas dire là. C'est lui qui le dit, donc c'est pour ça que je vous pose la question, hein, pour ceux qui le connaissent. Alors ici, euh, je reviens en arrière parce que j'ai vu le truc. Je ne veux pas que vous le ratiez. Donc on a la, la petite boutique, donc, voilà. Et là, comme vous le voyez, donc on reconnaît bien la petite boutique qu'on a vue dans le trailer. Avec deux interactions possibles pour mener l'enquête. Talk about Strangerville. Parler au sujet de Strangerville. Donc... Parler au petit vendeur, celui qui a la passoire sur la tête qu'on voit dans le trailer. Ici, vous avez Secret Inventory. Donc, il y a dans ce magasin un, un inventaire secret. Est-ce qu'on va pouvoir le débloquer dès le début ou est-ce qu'il faut monter son amitié avec lui Point d'interrogation, ce n'est pas dit. Donc, vous pouvez acheter des items curieux. Hein, buy Curio Items. Buy Clothing. Vous pouvez acheter des vêtements, c'est-à-dire les t-shirts aliens, ce que vous avez vu sur la bonne annonce et un gueule, des trucs marrants. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, il y a deux interactions qui font partie du pack pour mener l'enquête. Et attention, dès que vous la menez, dès que vous vous lancez là-dedans, c'est... Vous risquez la mort. Euh, ok. On continue. Donc, on y retrouve bien le jeune homme avec sa passoire sur la tête qui appelle... Euh, euh, pour qu'on vienne acheter chez lui, d'accord donc, on revoit effectivement euh, l'inventaire secret et tout ça. Voilà, donc on va aller au bar. Vous êtes prêts pour le bar hum Est-ce que celui-là, il est pas mal aussi Le bar va vous plaire, je pense. N'y allez pas à 15, hein, vous allez vous marcher dessus, hein, franchement. Ok. Donc. Ici, au niveau du bar, ici, nouvelle euh, enseigne. Sur le bar, là, ici. On y a, on peut voir à l'intérieur, comme il le dit, un jukebox. Alors, est-ce qu'il va être dans la partie, euh, dans le pack, et qu'on pourra l'acheter dans le, dans le mode achat? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas précisé. Il ne le dit pas. Comme il dit, il ne veut pas spoil. Donc, ici, vous avez un nouveau bar. Attention. Nouveau bar. Alors, vous avez l'arrière aussi là. L'arrière est factice, c'est-à-dire décoratif. Euh, tu veux une bière, Gérard? Euh, attends, parce qu'il y a... Ouais, la donzelle a marqué, mais ça l'a bloqué. Elle a marqué le centre-ville et carrément nul. Parce que si je, fais, je sors de, du mode plein écran, on n'en finit plus. Donc, euh, oui, je suis d'accord avec toi, la donzelle. Donc, nouveau bar, sympatoche. Le nouveau bar avec des graffitis dessus, des autocollants. On va le voir de plus près. Donc, un jukebox. Et l'arrière du bar, là... Qui est factice c'est juste pour faire joli c'est pour euh, comment dire pour pas que vous posiez votre bar comme ça euh, avant vous savez on avait les bouteilles là qu'on mettait au mur pour que ça fasse joli là maintenant vous pourrez poser ça voilà mais il n'y a aucune interaction avec juste avec le bar un bar normal voilà et le jukebox il peut pas dire si il peut pas nous en dire plus voilà donc j'espère que le jukebox sera au moins dans le qui sera au moins dans le, dans le mode achat, et que, pour vous, hein, et que le bar sera au moins dans le mode achat aussi, avec ça, et la pancarte aussi, qui est quelque chose, au moins. Qui est quelque chose. Parce que dans la jungle, on avait quand même pas mal de, de, beaux, de, de beaux meubles et de trucs assez sympas. Donc ici, eh ben, voilà, on vous montre le jukebox, vous pouvez euh, donc l'améliorer, vous pouvez écouter de la musique, il euh, y a bon, toutes les actions à faire. Le nouveau bar, vous voyez, que je trouve sympa, mais comme il dit, ça c'est factice, toutes les actions se passent sur le bar qui est là. Donc vous voyez, aucun nouveau meuble, hein, mis à part la jukebox et le bar. Là, on a pu voir un petit peu la, le, la tenue militaire gradée, mais on la reverra plus tard. Alors ici, hop, stop Voilà, euh, la veste que porte celui qui a la passoire, on la retrouve sur cette sims qui s'appelle Geneviève Lengel. Et au-dessus, vous voyez, il y a écrit conspiration terroriste. Ce n'est pas une nouvelle aspiration. Ce n'est pas une nouvelle un nouveau quelque chose qu'on pourra rajouter, ce sont des Sims dans la ville qui sont des de, qui font des conspirations terroristes. Dans à quelle fin, à quel but C'est justement là où vous devez mener l'enquête. Et vous aurez aussi, il va le montrer, des alter des altercations avec eux. Vous allez cliquer sur eux et vous aurez aussi la petite boule bleue. Voilà. Donc on va continuer. Merci, euh, Ilan, pour ton coup. Merci beaucoup. Sur la... Hop là, du coup, j'ai raté. Alors, hop, je recule, excusez-moi. Euh, mais c'est pas évident quand. quand euh, je mis la, la, la voix, mais bon. Je vais pas vous faire surbire de l'américain si vous le connaissez pas. Surtout qu'il parle super vite, donc. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, comme toutes les interactions que vous avez avec vos sims. Euh, vous aurez donc euh, plusieurs choix euh, vous présenter euh, grossièrement hein, rue d'introduction évidemment c'est en anglais hein, euh, vous présenter familièrement ou, comme vous avez sur les autres ou euh, amicalement lui euh, lui parler bon lui il utilise le commander je croyais que c'était pas autorisé les modes le commander c'est pourtant un mode mais bon bref ça on passe et là vous aurez toujours voilà une interaction avec la plante violette qu'on voit toujours parler au sujet de Strangerville. Voilà. Donc à partir du moment où vous rentrez, je vous le redis, dans ces actions-là, vous menez une enquête et là, vous parlez à des terroristes. Que Pourquoi ils sont des terroristes Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi Comment Point d'interrogation. Vous allez devoir résoudre l'énigme. Si vous ne le faites pas, euh, ne, si vous n'avez pas envie de le faire, ne cliquez pas sur ces interactions-là. Hein. Ou vous jouez le jeu, vous ne le jouez pas. Sachant que dès que vous allez commencer, je vous le redis, à enquêter, les phénomènes vont se multiplier et vous risquez de choper la maladie. D'accord Et vous retrouvez la veste sur elle. Donc elle sera pour homme et pour femme. Hein Apparemment. D'après ce qu'on peut voir là, dans son gameplay. Donc ici, on se retrouve donc à nouveau au centre-ville hein, où on peut voir, voyez, c'est ce que je te disais, la donzelle hein, les Sims se baladent dans la rue. Qu'est-ce que tu vois ici Un militaire, un gradé. D'accord euh, De l'armée. Donc, qui a la carrière armée, qui a sûrement monté... Euh, euh, C'est un Sim, sûrement, je pense, un PNJ. Hein. Euh, donc, euh, lui qui est gradé. Donc, plus vous allez monter votre carrière, hein, vous allez commencer comme militaire. Il n'y a, y a, y a aucune précision sur le nombre de niveaux. Mais je pense qu'à mon avis, il doit y avoir 10 niveaux comme les autres carrières. Hein, J'espère. Je, donc, vous finirez gradé avec cette jolie tenue verte. Voilà. Donc on est toujours au centre-ville, hein. vous voyez c'est pas super grand, il hein. n'y a pas grand chose à faire. Hein. Mm -mm. Moi ça me choque un petit peu cette affaire là. Donc euh, peut-être... Euh, la barbe non, elle y est déjà. Donc voilà, c'est un militaire, un personnel militaire, rien de sensationnel. On voit ici la, la ville autour, mais c'est de la déco. Euh, vous avez ici la Sims terroriste, d'autres Sims qui se baladent hein, comme dans toutes les villes. Ah mais ben moi il y a tout qui me choque moi, il n'y a pas que le centre-ville. Donc on va revenir euh, dans le monde, on va aller se balader, je crois qu'on va les visiter, je ne sais plus. Je crois que c'est une autre des maisons ou carrément le, le crash de l'avion, je ne sais plus. Euh, ouais, voilà, on va aller sur le crash. Et on va aller voir euh, Georges, le propriétaire de l'avion Pénélope. Ça me fait penser au jeu de survie The Long Dark. J'ai l'impression d'y retourner dedans. Il avait le crash d'avion. Pénélope, c'est aussi le nom de l'avion. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les avions, les Américains, pour les appeler Pénélope. Même dans The Long Dark, hein, c'est Pénélope. Donc, lui, il a l'aspiration euh, criminelle en série, vous savez. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc, voilà. Donc, l'avion a l'air de rien comme ça. Donc, voilà la pauvre Pénélope. Euh, salut, Mémie. Euh, voilà la pauvre Pénélope qui s'est crashée suite, euh, comme il l'explique, je mets sur pause. Comme il l'explique dans le euh, comme je vous ai dit au début, il l'explique, il le dit, il dit qu'il a pris une grande lumière en pleine poire et qu'il y a eu un court circuit et que l'avion s'est crash. Okay? Donc je ne sais pas. Ils amènent mis dans le trailer qu'il serait possible qu'on trouve des objets. Faux. Faux. La seule chose qui est possible là-dessus, c'est que l'avion est habitable. Et il est habitable par qui Par le pilote D'accord Donc le pilote habite ici où il s'est fait une sorte de bunker, vous allez le voir. Et où vous allez voir de nouveaux objets là, par contre. Attention, portez-y, attention. Mais euh, là, par contre, il euh, n'y a rien à explorer autour. C'est juste que c'est un avion qui a crash. Il y habite. Après, est-ce qu'il y a d'autres petits trucs autour des plantes ou des machins Je ne sais pas, C'est pas dit. Voilà. Donc, il vous montre les nouveaux cactus. Voilà, ça, ça va vous faire du gameplay les cactus. Euh, non Mémie, c'est un live que j'ai pioché euh, cette nuit chez les Américains. Voilà, donc je vous en fais profiter. Euh, donc il va vous montrer, il va vous montrer l'intérieur de l'avion. Je vous laisse regarder. Donc, voilà, il montre les différentes parties du crash de l'avion. Il va vous montrer qu'effectivement, le pilote vit à l'intérieur. Voilà. Donc, quand vous allez baisser, voilà, le, le, le mur, voilà, et vous allez aller dans un bunker et il vit au sous-sol. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir Il y a trois nouvelles affiches. Une, deux, trois. Je crois que les seuls éléments nouveaux, à part le bar, ils sont là. Hein. Je n'en ai pas vu d'autres. Donc, trois affiches ici. Ensuite, ici, je ne sais pas trop ce que c'est. À voir. On va continuer la visite. Euh, voilà. Alors, ici, nouvelle baignoire. Nouvelle baignoire avec un rideau en bois qui fait plus, euh, il me fait plus penser, moi ou pas, euh, destination nature. Mais bon, elle n'y est pas. Ça, c'est sûr, c'est une nouvelle baignoire avec ici la, la pompe de la baignoire où le jet d'eau sortira. Vous avez une... Accrocher ici une petite une petite valise voilà après euh, voilà hein je passerai mes commentaires voilà donc la nouvelle baignoire euh, vous avez ici aussi peut-être je dis bien peut-être je suis pas sûr euh, bon on retrouve toujours le PC euh, le lit là avec cette mallette ce mal là qui fait un peu militaire alors est-ce que ça ça va être un nouveau lit peut-être je ne sais pas Nouvelle malle, les étagères ici avec les bidons d'huile, etc. Je ne sais pas si ça on l'avait déjà. De mémoire, je crois pas. Euh, avec le pack restaurant, ouais, on avait des étagères de ce genre, mais ça ne me dit rien ça. Donc ça, c'est peut-être nouveau. Euh, le lit, il me semble qu'il est nouveau. Euh, sur des pieds comme ça, là, ça fait typique militaire, avec la caisse et la nouvelle baignoire. OK Ça ne fait pas beaucoup d'objets nouveaux, hein. franchement. Voilà, vous voyez cette étagère avec les bidons, là. Donc, lui, il est ennemi public numéro 1. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et là, donc, l'autre nouveauté, c'est celle-là, ici. Il va s'arrêter dessus. Il y a une interaction à faire aussi où vous avez euh, une petite fleur. Ah, ben non, il ne le montre pas. Euh, vous avez une petite fleur dessus. Donc, euh, consultez vos archives. Vous avez la possibilité d'en mettre chez vous. Donc là, vous avez une autre ville de la, vue de la ville qui paraît immense. Hein. Vous n'êtes pas trop déçu de la ville Ça va Moi, si. Voilà beaucoup de déco pour pas grand chose avec juste ça au centre ville Waouh et tout ça ça sert à quoi, quoi à faire beau dans le prix aussi ça pique hein mais autrement je dis pas magnifique ah oui alors ça c'est un truc qui m'a éclaté il s'extasie sur ça sur l'éolienne mais bon c'est une décoration alors oui très joli bien pensé on peut parler des grues aussi si on veut derrière aussi les grues bien pensé au niveau de la déco très jolie ville mais beaucoup trop de déco pour moi. l'éolienne voilà, ne participe à en votre, rien à votre gameplay, c'est la déco. Alors, oui, on pourra dire que les graphismes sont jolis. Oui, on pourra dire que si, oui, on pourra dire que là, il y a beaucoup de plantes, on est dans le désert. Euh, vous avez des grues. Waouh, une éolienne. Youpla boum. Youpla boum. Jusqu'à présent, on a visité 4 baraques, il n'y a pas un seul nouveau meuble. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Les sims, c'est beau. Les sims, c'est beau. Ok, je vous laisse visiter. Donc là, on peut apercevoir de loin euh, ici, là, le labo. D'accord Voilà, beaucoup de nouvelles plantes. Alors si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas le jardinage en hein, Sims, vous allez être gâté là. Hein. Franchement, vous êtes gâté. Il hein. y a des nouvelles plantes. Waouh. Moi qui n'aime pas les jardinages, le jardinage. Comme je vous l'ai dit dans mes bulles de la dernière fois, je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je ne vous fais pas le jardin en général. Hein. Je vous laisse vous éclater parce que vous aimez ça. Donc, euh, voilà. Donc là, on peut voir l'œuf. Hein. Alors, est-ce qu'il sera dans, dans, dans le mode achat Est-ce qu'on va pouvoir nous le mettre où on veut Je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas dit. D'accord Qu'on soit bien d'accord. Je ne sais pas. Il euh, y a des nouveaux captus, ça c'est sûr, je vous l'ai dit. Voilà, beaucoup de choses, mais pas grand-chose. Voilà. Ça se résume à ça pour moi. Beaucoup de choses pour pas grand-chose. Voilà, la ville, eh, là sans déconner. Vous, vous, vous pensez quoi Quand vous voyez ça, vous dites, franchement, moi la première fois que j'ai regardé le truc cette nuit, euh, il était en live, euh, J'ai dit, putain mais génial quoi Génial euh, Attends, on va pas cracher dans la soupe, la ville elle est grande, elle est super Mais non Quand il a montré Ah oh, la déception des gens dans le live Les Américains, ils étaient bleus Ils étaient bleus, ils ont dit mais c'est quoi ce délire euh, C'est quoi toutes ces baraques qui servent à rien là Ça vous paraît super grand Et en fait, vous allez pouvoir aller que là que ici, en centre-ville. Ça, c'est de la déco. Déco, 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 déco. Ouais, super. Ils sont où les 11 terrains Après, je vous le redis, c'est vos, vos sous. hein, D'accord Après, je parle que le gameplay doit être intéressant. Par contre, un peu comme dans la jungle, le gameplay est intéressant. Voilà. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup euh, payer plein pot euh, pour avoir beaucoup de déco pour un gameplay moi, j'attendrai, en tout cas. Personnellement, moi, je voilà. Autrement, le, 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 le gameplay est intéressant. Voilà, le gameplay. Et c'est ça qu'on demandait, du gameplay. Donc, d'un côté, ils nous, ont, ils nous ont quand même entendu. Pas sur ce qu'on voulait, mais ils nous ont entendu. Donc, là, on va où On va aller visiter la maison, donc, euh, de celui qui est au labo, qui a créé le labo, et qui, apparemment, n'est pas très net, comme l'explique sa femme, puisque la nuit, il a des... Des activités un petit peu loufoques et louche pour son épouse. D'accord Donc on va aller voir la maison. Et là, grande surprise, comme il le dit lui-même, moi je pas le pack célébrité, mais lui a dit que ça lui faisait penser euh, à la colline où vous avez les célébrités et où il y a trois quatre maisons qui sont faites pour les célébrités. Ça lui fait penser à ça. Il était un petit peu déçu sur ce plan-là, euh, parce que bien, évidemment les plus belles maisons sont situées ici dont une que vous ne pouvez pas habiter, qui est là. Donc là, c'est là où habite donc le maire et le créateur du labo. Voilà, donc on va visiter. Et je vous mets au défi de me trouver un nouveau meuble. Mais au défi. Au défi. Mis à part les plantes. Hein, on oublie les cactus et tout ça. Hein. Voilà. Donc. Euh, voilà, beaucoup, beaucoup de déco, hein, même le trajet, là. Hein. Euh, tout ça, vous allez... Ne croyez pas que vous allez pouvoir vous balader partout là. L'escalade, n'y croyez pas, hein, ça ne pas. Hein. Voilà, alors là, vous avez une superbe entrée. Alors, c'est là où il dit que ça lui fait penser au, au pack célébrité à, pour la maison qui a euh, en hauteur. Moi, je ne l'ai pas, donc je ne vais pas juger là-dessus. Je vous mets au défi de me trouver un nouveau meuble. Là. Grosse maison, pas beaucoup de meubles. Ouais. Nouveau cactus, vous pouvez les voir ici. Là, nouveau cactus. Ici, là. Ouais, c'est pas les cactus qui font un pack. Hein. Pas pour moi en tout cas. Alors là, euh, donc on est dans la maison. Donc super grande maison, super belle maison, la plus belle de la ville. Hein. Est-ce que vous trouvez ici, franchement, de nouveaux meubles, quoi Je vais bien vous mettre sur pause, hein. Voilà. Je vous laisse regarder. Trouvez-moi un nouveau meuble. Ou alors je suis bigleuse. Est-ce qu'ici il y a des nouveaux meubles? Non, ben moi je vois pas dans le chat. Est-ce qu'il y a des nouveaux meubles pour vous, les fans des Sims? Moi j'en vois pas, j'en vois pas du tout. Très décevant l'affaire. On continue. Non, ben c'est la bibliothèque euh, que, tu avais, euh, que tu avais dans la... C'est la bibliothèque que tu as, je pense, dans la... Je dis peut-être une bêtise et tu as peut-être raison. Il y a peut-être une nouvelle bibliothèque, ouais, mais ça en ferait deux à ce moment-là. Deux bibliothèques. Celle de la des archives et celle-là, peut-être. Ouais, peut-être. Tu as peut-être raison. Encore, je ne suis pas sûre. Donc voilà, donc c'est là où il s'arrête un petit peu. Donc voilà où de tout est parti, c'est-à-dire que... Vous allez pouvoir, vous avez des cartons en décoration, ok Décoration. Euh, donc vous avez cette pile de papier. Donc ça c'est le bureau caché de celui qui a créé le labo. Donc il est au sous-sol de la belle maison que vous avez vue et où sa femme dit que la nuit il a des actions un petit peu bizarres. Donc euh, ben voilà, il a son bureau là. Et donc ici vous allez voir qu'avec ce carton, d'accord, le carton qui est là, la pile de papier qui est là. Vous pouvez avoir des interactions en cliquant dessus. Donc avec la petite plante bleue. Et vous inspectez les papiers qu'il y a dedans. D'accord Ça, c'est du meuble. Et ça, c'est du contenu. Allô Non, pas pour moi. Je vous laisse regarder. Vous allez voir les interactions. Il va cliquer sur le carton, sur la pile. On peut la regarder. Ici, on peut la regarder. Et ici, vous voyez. Il y a une interaction à faire. Encore faut-il avoir monté la compétence. Ok Est-ce que là, tout va bien pour vous Pour moi aussi. Donc, je vous laisse regarder. Très jolie vue, hein sympathique. Joli graphisme, rien à dire. Mais je le redis, beaucoup de déco pour pas grand-chose. On va passer après, je crois, à la maison des, des trois amis, là. Euh, les... les créatifs. Les, électri les électricales, euh, je sais plus trop quoi. Là. Voilà, donc ça c'est la maison que vous pouvez pas habiter. Vous pouvez y aller, mais vous ne pouvez pas y habiter. C'est un petit peu, je vous l'ai dit, comme la maison euh, des fantômes euh, dans euh, Willow Creek, là, je crois que c'est Willow Creek. Vous avez les, les fantômes, euh, etc., là, qui habitent, hein, et vous pouvez rien utiliser. Ce pas très très net ce qu'il disait, je ne vous le cache pas, donc ça se trouve vous allez pouvoir la louer. Je vous dis peut-être une connerie. Le, le plateau de la, de la plaza. Vous avez peut-être pouvoir y habiter, mais c'est une maison remplie de phénomènes étranges. Hein. Donc à vos risques et périls. Elle est complètement vide, la baraque. Vous avez une jolie piscine. Mais la baraque est quasiment vide. On peut pas dire complètement. Voilà. Donc grand terrain, les cactus, hein, toujours. Voilà. Nouvelles plantes. Il les montre, il les entoure. Donc vous avez cette petite, cette petite maison, mais à vos risques et péris d'habiter là. Après, pour le fun, hein, comme pour la jungle, hein, pour votre gameplay, c'est marrant quand vous prenez la maison dans la jungle, là où il y a les critères du, euh, du terrain avec les araignées et les bestioles grouillantes. Hein. Voilà, bah, c'est un peu le même style. Là. Moi, ça me fait beaucoup penser au gameplay. Alors, vous aurez la possibilité... Je vais mettre sous pause. Hein. Euh, moi, il montre qu'il n'y a rien dessous. Euh, vous aurez la possibilité, vous, vous rappelez dans la jungle, dans le pack de la jungle, vous avez 5, 5 possibilités pour trouver le temple. Vous allez en vacances dans la jungle, vous revenez, enfin vous rentrez chez vous, vous revenez, le temple a changé de place. Euh, pour ceux qui ont le pack de la jungle, vous êtes d'accord avec moi. Là c'est pareil. Une fois que vous aurez résolu l'énigme en menant l'enquête, vous aurez 3 ou 4 énigmes différentes. Donc quand vous serez rentré chez vous, en croisant les doigts que vous n'aurez pas chopé le virus. Euh, et que vous n'allez pas en mourir, vous pouvez revenir là-bas, mais ce n'est pas pour autant que si vous revenez l'enquête, ce sera les mêmes questions qui vous seront posées, la même enquête que vous aurez faite. Hein. Vous avez trois configurations ou quatre différentes pour l'enquête, un peu comme la jungle. Vous aviez cinq configurations de temple. Vous alliez là-bas en vacances, vous reveniez chez vous, le temple que vous aviez découvert, il n'était plus au même endroit. Ben là, ça sera pareil, sauf que le labo ne bouge pas, mais l'enquête qui va vous amener jusqu'au labo, vous aurez trois façons ou quatre façons différentes de la gérer. Voilà. Donc ça apporte du gameplay, ouais. Donc voilà, donc la maison, euh, à vous de voir si vous voulez l'habiter, si vous voulez pas. Est-ce que vous voulez risquer votre vie Les trolls surtout, n'y allez pas. N'alliez pas là-bas. Vos Sims vont être envoûtés. Ma mamie. Ils vont être déformés, ma mamie. Ils vont mourir. Oh, horreur. Et là, hein, c'est pas nous avec hein, nos challenges qui les tuons, et c'est pas nous qui les déformons. Hein. Alors, on se retrouve ici avec les trois potes que je vous disais. Donc, vous avez la Métisse Black avec ses tresses, hein, d'accord Vous avez euh, la petite blonde qui a le chapeau dans le trailer, euh, la nouvelle veste et les sentiacs Donc là, elle est pas habillée comme ça. Et vous avez le Black. Hein. Euh, J'ai goût de partir, ça. Hein, Mmh. Mimi, il faut que tu me fasses un Sims qui s'appelle Patch et que tu le butes, s'il te plaît. Dans ton challenge. S'il te plaît. Euh, donc, vous aurez la possibilité. Donc, vous avez les trois potes. Hein. Alors, elle, je ne sais plus ce qu'elle fait, je crois qu'elle peint. Elle, je crois qu'elle écrit. Et lui, je crois qu'il est programmateur. Donc, ce sont trois amis qui ont hérité, je vous le redis, d'une fortune de leurs parents, qui ont voulu se couper du monde moderne et qui sont venus vivre ici, croyant pouvoir exprimer leur créativité et qui se retrouvent confrontés à ça. Okay. Donc vous aurez les plantes, donc vous pouvez avoir une, une interaction sur la, la plante. Vous pouvez prendre une photo, d'accord, ou regarder la plante bizarre. Voilà, un petit peu comme ce qu'on a dans les, dans les jardins, là, vous savez, quand on, quand on fait nos recherches sur nos plantes, là, voilà. Donc vous aurez le même système avec cette plante. Donc voilà leur maison, là aussi je me mets au défi de trouver un nouveau meuble. Il n'y a même pas, il y a même pas. Euh, j'ai cherché ou je l'ai raté, mais j'ai pas vu en tout cas le nouveau truc de fitness là. qui me plaisait là. Où on la voit s'entraîner dans le trailer, je ne l'ai pas vu encore. Hein. Nulle part. J'ai peut-être raté, mais vous me direz. Mais j'ai pas vu le, le truc fitness, là, le nouveau truc euh, où elle se bat dessus, là. Sachant que la carrière militaire demande à monter, je vous le redis, le fitness à fond. Vous l'avez vu tout à l'heure. Aucun nouveau meuble ici. Hein On est bien d'accord tous. Ben, je sais pas. Je sais pas la donzelle. Là, tu vois, il nous fait, je mets sur pause. Là, il nous fait... Il nous a fait visiter toutes les maisons. Mais au final, il n'y a rien qu'un meuble. Ou alors je suis en erreur. Non, 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 non. Il y a une baignoire qu'on a pu voir. D'accord. Il y a... Enfin, euh, du moins là, hein, ce qu'il nous montre. Hein. Il y a une baignoire, une étagère avec des bidons d'essence qu'on trouve au niveau de l'avion. D'accord Trois affiches. Il euh, y a le bar. Peut-être le jukebox. Mais là, son but était de nous montrer la ville. Euh, le contenu du casse et des meubles, euh, je pense qu'on le verra le soir euh, le, le pack sera sorti avec les Sims gourous. Pas avant, mais vous aurez acheté le pack. C'est la première fois, et je le redis, que les Sims Gurus... Sortent un pack déjà sans prévenir. Parce que pour tout le monde, c'est une surprise, on ne savait pas. Deux, c'est la première fois qu'ils présentent le casse d'un pack et euh, le contenu du pack le soir où le pack est déjà sorti. C'est-à-dire que vous allez l'acheter dans la journée, vous allez découvrir votre pack et le soir, ils vont vous présenter. Mais c'est la première fois qu'ils font ça. Et où on s'est posé la question, on en a parlé avec Mémie et, et d'autres personnes, on s'est posé la question pourquoi ils font ça Parce qu'avant, ça ne se vendait pas de présenter avant ce qu'il y a dedans. Peut-être que les gens se sont dit, ah non, ben, je ne l'achète pas, il n'y a pas assez de trucs. Donc là, en fait, le pack sera sorti quand ils vont vous faire le live demain soir. Où ils vont vous montrer le cas et tout ça. Mais vous, a, vous allez acheter un pack, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Hein. Moi, je serai vous, j'attendrai demain soir. Parce que là, déjà, ça fait peur. Enfin, moi, perso. Euh, voilà. Non, non, mais tu as raison. Là, comme, comme je te dis, moi, je cherchais, là, euh, qu'au moins dans une des maisons, au moins la sienne, il euh, y ait le truc fitness qu'on voit dans le trailer. Euh, voilà, euh, qu'on qu ait cet appareil. Je l'ai vu nulle part, là. Donc, je sais pas. Je sais pas. C'est pour ça que je dis, attendez de voir le live demain soir ou qu'Anna, euh, deux, trois jours après, kana Gaming vous le, vous le retraduise. Euh, moi, j'y serai en tout cas demain soir euh, sur le live américain. J'irai voir. Je pourrais euh, vous dire ce que j'en pense, hein, s'il y a des nouveaux trucs, des choses comme ça. Mais de toute façon, ce sera trop tard. Le pack, il sort... Euh, il sort. Il sera sorti quand ils vont le faire. Vous l'aurez déjà acheté pour ceux qui veulent précommander au cas où il y aurait rupture de stock. Quoi. Donc voilà hein, beaucoup déco. Donc là vous avez un terrain vierge. Où vous pourrez construire votre maison 30, 20 par 30 toujours. La maison donc voilà un autre terrain ici 20 par 30 aussi. Donc avec les nouvelles plantes devant. Youpla boom. Les nouveaux cactus, oh! Ça fait du gameplay les cactus, hein, je vous le dis moi. <laughs> donc c'est là où il dit que ça fait penser beaucoup à la colline des célébrités. Je sais pas, je n'ai pas le pack moi donc euh, il m'intéresse pas. Puis bon, deux packs à 40 euros, ça fait 80 euros. Celui-là on ne sait pas trop à combien il va être. Ça va! <laughs> Et tu ne vas pas l'acheter non plus. Je sais pas. Je, euh, en tout cas, je ne sais pas quel prix va être. Donc, euh, s'il y a du gameplay, oui, je vais le prendre. Mais euh, je le prendrai à condition qu'il y ait du contenu. Ou alors j'attendrai qu'il baisse en prix. S'il n'y a pas de contenu, qu'il n'y a que du gameplay, attends, on n'achète pas un pack à, à moins qu'il soit 9 euros, ouais. Et on est d'accord. Il n'y a pas de contenu, 9 euros. 10 euros. Mais bon, si nous le foutons à 40, <laughs> mais je vais sauter en l'air, moi, perso. J'attendrai qu'il baisse, hein, tu vois. Ah ouais, non, mais les cactus, t'as les cactus, c'est trop cute. T'as deux coiffures, tout est cute. Hein. Mais t'as une immense ville où il n'y a rien à faire, quoi. Tout est cute. C'est les Sims. Enfin, depuis un certain temps, je trouve que les Sims Gourous se foutent un peu notre gueule quand même. Il hein. faut quand même dire les choses. Hein. <coughs> Ça sert à rien de nous faire voter sur Twitter en disant qu'ils sont à l'écoute de leur communauté, euh, en nous promettant un pack sorcière et surnaturel et nous sortir ça quoi. Enfin, D'autant plus que ça datait d'avant les, les saisons, ils nous ont sorti les saisons alors qu'ils nous avaient promis le, patch, le, le pack surnaturel. Euh, après ils ont sorti le pack célébrité, 40-40 euh, chez moi ça fait 80 euros déjà. Euh, oui ils sont passés les packs à 19. Euh, oui ils sont passés les packs à 9, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de cela. Hein. Et enfin, euh, donc le fameux laboratoire. Ben non, c'est les dollars, ma pauvre. Le pognon, le pognon, le pognon. Quand tu vois la mentalité qu'il y a dans les Sims, c je ne suis pas surprise. Euh, donc, voilà. Donc, apparemment, euh, ici, il y aurait une entrée secrète qu'il va falloir trouver. Voilà. Donc, le gameplay se finira là, hein, de votre gameplay. Quand vous aurez trouvé effectivement ça. Euh, voilà. Vous voyez, il y a plein de plantes euh, un petit peu aliens tout autour. Voilà. Donc vous allez devoir pouvoir rentrer là-dedans aussi. Ça, c'est pas gagné, hein. c'est selon vos énigmes. Alors voilà, c'est ce que je te disais, la donzelle. Les militaires sont situés ici. Voilà. Ben, on ne voit pas beaucoup de Sims. Mm -mm. Gros bisous la donzelle. Pose bien. Donc vous pouvez cliquer sur la porte et examiner. C'est pas pour ça que ça va vous l'ouvrir. Attention. Il faut que vous ayez mené votre enquête avant pour arriver à ça. Parce que je pense que là, on arrive à la fin de l'énigme. C'est-à-dire que vous allez percer l'énigme en rentrant, euh, comme on voit dans le trailer là. Vous avez percé l'énigme euh, et arriver à rentrer dans ce fameux labo secret. J'ai pas mis sur pause, hein. C'est lui qui s'est arrêté. Ah ben oui, voilà. Donc c'est tout ce qu'on vous montre en fait. Il n'y a pas plus, hein. J'ai pas appuyé sur pause, moi. Si j'avance. Voilà. Donc, on n'en saura pas plus sur le labo secret. D'accord. Donc, vous avez juste l'entrée. Vous savez que quand vous en serez arrivé là, euh, et que vous arriverez dans le labo secret, votre enquête va être résolue. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en montrer plus euh, de ce jeu-là. Voilà, enfin, du pack qui va sortir. Personne, personne. Alors, Oneria, perso, il n'intéresse pas. Le gameplay est intéressant. On ne peut pas non plus cracher dans la soupe. Le fait de, 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 qu'il y a cette énigme, c'est un petit peu comme la jungle. Voilà. Mais, euh, mais je trouve que c'est... Je ne sais pas quel prix va être mis. Euh, beaucoup parlent de 19,99. Voilà. mais il n'y a, y a, y a pas beaucoup de choses dans ce pack. Euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a quasiment pas de meubles, il y, y a quoi Deux coupes de cheveux, trois t-shirts. Hein. Prenez le pack à 19,99 de la jungle, prenez le pack euh, des vampires, prenez le pack et regardez les contenus, vous allez voir la différence. Voilà. Après, comme je vous dis, c'est vos sous, ce n'est pas les miens. Euh, le gameplay est intéressant, je le redis. Le gameplay est intéressant. intéressant blub blub blub. Euh, le gameplay, le fait de pouvoir résoudre une énigme, essayer de comprendre comment, et qui y trois po possibilités de configuration, voire quatre, comme dans la jungle, où il fallait, une fois qu'on ait trouvé le temple, je vous le redis. Vous partiez chez, reveniez chez vous, vous repartiez en vacances là-bas, le temple avait bougé, donc vous deviez encore affronter les, les, les morts de qu'il y a dans la jungle pour trouver le deuxième temple, puis le troisième et puis le quatrième. Euh, c'est assez, assez intéressant en gameplay. Là maintenant, si c'est la même config, d'après ce qui montre, oui. Moi, j'en conclus que oui. Euh, donc le gameplay est intéressant. Ou il est décevant, c'est qu'il n'y a pas de contenu, pour l'instant. Euh, une ville qui est plus de la décoration qu'autre chose et qui ne sert absolument à rien, qui est immense, mais on peut rien faire. Et quoi Trois terrains habitables hmm. Ils sont loin, les onze terrains. Hein voilà. Donc, j'aurais fait ça. Je ne suis pas rémunérée pour, je vous le redis. Euh, je vais passer ma nuit à ça, à le traduire, à... Voilà. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous juste te faire un aperçu puisque je suis une mytho. Je vais bien vous prouver que c'est un américain. S'il veut, hein. bien sûr. J'ai mis une son, non oui. Euh, il cause pas le monsieur, pourquoi? J'ai plus de son. C'est quoi le bordel? Euh, alors. De bon, toute façon, vous l'avez dans le titre. Hein. Pourquoi j'ai pas de son A ah, 30 by 20. Voilà. Next up, we have the Strangerville Information Center. Okay, love these a uh, lot descriptions. So, the Strangerville Information Center is a great place to hang out and study. We have voilà. a massive Strangerville archive where anyone can browse till their heart is Donc j'ai passé une heure et demie à l'écouter. Une heure et demie à vous le traduire. Une heure et demie à tout éplucher, à agrandir là, quand il met les trucs parce que tout est en anglais. Voilà. Donc, euh, vous ne pourrez pas dire que je suis mytho. Hein je vous l'ai traduit. Je ne vois pas quel serait mon intérêt de vous traduire autre chose que ce qui est dit. Je pense que de toute façon, euh, euh, vous aurez une vidéo faite par Anna Gaming en français qui vous, vous dira Shirelle, bah, elle n'a pas dit de conneries. Voilà. Donc, euh, à vous de voir. Hein. Oublie la carrière militaire et l'aspiration. Je l'ai dit, la carrière militaire et la donzelle. Je l'ai dit au début. Euh, J'ai dit que vous aviez la nouvelle carrière militaire, qu'on ne savait pas sur combien de niveaux elle allait être, mais que je pense que ça doit être, je pense, moi, que ça doit être sur 10 niveaux, hein, comme toutes les autres carrières, que c'est une carrière à domicile, vous ne pourrez pas suivre votre Sims et que, évidemment, vous aurez des étapes à monter, comme toutes les carrières, et que vous finirez avec le joli costume de gradé qu'on voit. Voilà. Mais les militaires, on ne les voit pas dans le trailer là. On ne la voit pas, la carrière militaire, je ne peux pas l'inventer. On ne me l'a pas donné le pack, je ne suis pas payé et on ne m'a pas filé la clé pour vous faire une présentation. Là, je vous ai trouvé ça parce que vous savez tous que je vais beaucoup chez les Américains, euh, que je suis beaucoup sur les pays étrangers. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Je dis, bon, ben, ça serait sympa que la communauté française puisse en profiter. Voilà. Puisque ceux qui sont payés pour ça et qui sont français ne le font pas. Donc il euh, faut bien que quelqu'un... Euh, voilà puis c'est pour vous entendre dire euh, ouais euh, parce que je suis payé pour je vais vous dire ouais euh, ah tout est beau euh, putain regardez ça c'est magnifique il faut l'acheter le pack machin truc voilà ceux qui sont payés pour vous pensez bien qu'ils vont pas cracher dans la soupe puis s'en foutent ils payent pas le pack moi je suis comme vous je suis pas sponsorisé par eux j'en ai rien à carrer euh, voilà moi je trouve que c'est abusé voilà c'est tout euh, j'ai une info aussi sur les traits de caractère. On a un nouveau qui impose à vivre dans les caves. Non, il n'y a rien là-dessus. Moi, je ne me, je me base pas aux infos. Là, j'ai du concret. Il n'y a pas d'aspiration pour l'instant. Tant mieux, si c'est vrai, la donzelle. Mais euh, là, dans le trailer, est-ce que tu as vu une nouvelle aspiration Non. Et pourtant, le gars, il a, là, c'est quelqu'un qui travaille chez Electronic Arts. Il n'y a qu'une nouvelle carrière. Il n'y a pas de nouvelle aspiration. Si c'est le cas, ils vous le montreront que jeudi soir. Mais le pack sera déjà sorti. Pour l'instant, il y a, moi, là-dedans, je n'ai pas vu de nouvelle aspiration. Il l'aurait montré, je pense, quand même. Hein. Il est payé pour le monsieur, là. C'est quand même Sims Community hein, hein, et Electronic Cards Games Changer. Ah ben, On verra. On verra. Je le souhaite, hein, la donzelle. Je le souhaite. Ça, une aspiration supplémentaire est toujours bonne à prendre. Après, au niveau, je, je dis que ce pack est bien en gameplay. Là où c'est décevant, c'est au niveau de la map, euh, du mensonge qu'on nous a dit 11 terrains. Non, il n'y a pas 11 terrains, il y a 3 terrains où on peut habiter. Quoi. Voilà. Mais après, c'est une ville, moi, que j'aurais plutôt mis en destination de vacances. Voilà. C'est que mon avis. Mais qui suis-je pour donner un avis Personne. Mais je suis une consommatrice comme vous. Voilà. Donc j'ai le droit de m'exprimer sur un pack euh, si je l'achète et que j'en suis pas contente. Je pense que c'est mon droit le plus complet. Euh, voilà. Je ne suis pas payée pour. Au moins, vous avez un avis qui ne vous dira pas que tout est beau, tout est rose et tout est joli. Parce que vous avez les, doula, les, les sous derrière et les voyages qui vous sont payés parce que vous travaillez pour eux. Voilà, moi je vous le redis. On me propose un contrat, je leur dis non. Voilà, si je dois vous mentir aux gens qui suivent ma chaîne en disant que tout est beau, tout est neuf et vous, vous poussez à acheter un pack qui n'en vaut pas le coup. Non, ça m'intéresse pas, ce n'est pas ma mentalité. J'ai un boulot, j'ai une vie, euh, voilà, donc euh, j'ai pas besoin d'argent de des Sims, honnêtement. Voilà. Bon, on va en rester là pour ça. J'espère qu'en tout cas, que ça vous aura fait plaisir. Que je ne me serais pas crevé la nouille pour rien, comme on dit chez nous. Euh, vous en saurez un peu plus sur ce pack. Je remercie quand même euh, Sims Community d'avoir présenté ça. Puisque nous, Français, qui avons des gens payés pour faire ça, qui ne l'ont pas fait, d'accord euh, Qui viennent juste de sortir, elles, elles sont payées pour, mais elles viennent juste de sortir le trailer. Ouais, ça fait du temps, d'accord Elles viennent juste d'analyser le trailer, elles sont payées pour, elles ont les voyages payés, elles ont les, les jeux donnés, elles font pas leur boulot, c'est bien. Moi, je ne suis pas payée, je vous dis ce que j'en pense, mais moi, je ne vous mentirai pas, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je ne travaillerai pas pour eux. Parce que tout n'est pas beau chez les Sims. Voilà. Après, je respecte les gameplays. Ce que je ne supporte pas, et je l'ai dit dans ma vidéo coup de gueule précédente, c'est que, que certains se permettent de venir sur nos lives euh, en tant que nous, streamers. On fait des challenges qu'on n'a pas spécialement à nous créer euh, et qu'on se fait incendier parce qu'il faut que les Sims y soient beaux, parce qu'il ne faut pas les tuer. Et là, ils vous font quoi Ils vous collent une maladie ou vous, vous tordez dans tous les sens et vous ressemblez à des zombies. Être leur un procès, alors aussi. Voilà. Enfin, J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait ce que j'ai pu. J'y ai passé la nuit. Voilà. Ils n'étaient pas nombreux hein, à faire ce genre de choses. Euh, J'en ai trouvé qu'un, pour être honnête. Voilà. Après les Américains, euh, si je vous traduisais tout ce qui est marqué là, en dessous, je peux vous dire que ça gueule. Hein. Tout ça, là, c'est pas des compliments. Je vous le garantis. Voilà. Ce n'est que des critiques négatives. Ça fait plaisir. Les Américains, au moins, sont sur la même longueur d'onde que moi. C'est pour ça que je les côtoie. Hein. Et si vous allez en Espagne et en Italie, vous aurez exactement la même version. Tout le monde est énormément déçu de ce pack. Puisque, était prévu, donc, le pack, je répète, super naturel. Ou alors, ils espéraient tous le pack université et non pas ça. Voilà. Donc, sur ce, les loulous, je vais vous faire des gros bisous. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée si j'ai si heurté certaines personnes fans des Sims. Et voir à la limite... Euh c'est même plus, euh, c'est être, je euh, cherche le mot. Mm -hmm. euh, c'est plus être fan, c'est, euh, faut pas les toucher. Euh, je commande avant parce qu'un pack Sims, il sort, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je l'achète parce qu'il faut acheter tout ce qui est Sims. Voilà. Et écoutez, hein. c'est vos sous, je vous le redis. Moi, j'attendrai euh, demain soir. Demain soir, le 26 février, vous avez donc le pack qui sort. Euh, il sort demain. Si je ne m'abuse, 26 ou 28, je ne sais plus. Bon, bref, on s'en fout. Euh, je sais que demain soir, il y a le live des Sims Gurus, mais ce sera en américain. Anna Gaming euh, vous le fera en français trois jours plus tard. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Anna si vous ne parlez pas anglais. Moi, demain soir, je serai sur le, le live des, des Sims Gurus, hein, en direct, juste pour voir s'il y a du, des nouveaux objets ou pas, ce qu'il y aura dans le casse. Euh, et je vous en tiendrai informé si vous me le demandez. Mais si vous ne me le demandez pas, je ne le ferai pas. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. Euh, si j'en ai choqué certains, ben c'est pas grave, vous en remettrez. Hein. De toute façon, c'est pas bien grave, c'est pas la première fois que je vais heurter les sensibilités des Sims 4 et de la communauté Sims. Euh, bien que j'y joue, hein. Voilà. Mais à ma façon. En faisant des challenges, même si ça gêne, c'est comme ça que je joue. Donc, je respecte vos gameplays, je respecte votre façon de penser. Alors. Respectez la mienne, respectez la façon de penser, la façon de jouer des streamers. Si vous voulez qu'il y ait encore des Sims, des, des streamers qui vous fassent du Sims 4. Voilà, sinon vous en aurez plus du tout et vous irez regarder Barbicane et les bisounours sur YouTube. Ok Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous laisse là-dessus et on se dit à très vite pour la suite du challenge Uggy euh, Virus Génération que je fais. Et on se retrouve très vite autrement pour un autre jeu. Bye bye